nous pas ta carité sans pas remercier yon entreprise. Et c'est ça fait et Belizer, moi te veux tuer le au caillou en doplan, puisque tu as un moteur de toute activité touristique ça, tu as une entreprise de elle, nous te vle li hein, ou gagne ni à me jouer pour moi. Yo, ça cap fait, this is Coach Ben Benz Kabzou. Bienvenue dans Redécouvrir Haïti, deuxième édition au Kai Roundup. Deuxième édition, ça a possible grâce à Nissan de la Universal Motors. Nous, ici, exactement dans la ferme La Tortue. Donc, nous allons piquer pour au Kai avec un tourné pichic, pichoc, piclast. Mais exactement, c'est la ferme La Tortue. Pas capable de parler de paroles bien au calme. Jean Brana Fell, et c'est une félicitation pour Brana qui entamé un processus avec l'université Kiskeya, même Jean avec l'autre entreprise, Babankou, qui font partenariat avec des planteurs. Eh bien, mesdames, messieurs, Universal Motors, t'es back au projet ça. Un gros applaudissement pour lui. Type d'initiative ça yo lors joignon entreprise embrasser le social et puis le prendre à cœur, c'est à encourager. Et c'est ça que fait le on entreprise fait type d'initiative ça yo qui fait tout récemment là les Universal frappé, c'était Voie Réseau qui frappé, c'était moun nan sud qui frappé, parce que Universal t'a back up un projet. Et me songer le projet ça t'a pral démarrer, c'est pas même une proposition que nous t'ai fait, c'était tout simplement et on a expliqué comment nous qu'on fait type d'activité ça dans le temps avec team coach Ben Benz et puis Reginald Boulos t'ai dit projet ça faut qu'Universal Motors va accomplir. C'est ça te fait moins penser li extrêmement important, premièrement pour un remerciement public à Reginald Boulos, mais en fait pour adresser quelques mots de bienvenue ou bien de participation sociale dans des activités comme ça. Reginald Boulos, micro à vous. Bonsoir. Bravo. D'abord, et ma remercie toute équipe Voie Réseau de ce que vous invitez là. Fom dit nous que son surprise, parce que l'homme dit ouais premier annoncio battre non moins même font jalousie, et puis bien saisi leur relais me dit mieux t'a aimé, c'est moi qui dit
quelques mots de bienvenue. M'a félicité yo parce que je crois que yo touche un point important, essentiel. Engagement citoyen. Si nous pas arriver fait que chaque fille, chaque garçon, chaque haïtienne, chaque haïtien, chaque militante, chaque militant pensait convaincu que pays c'est pâle et que le grand rêve pour pays, nous pas aller aucun côté. Je dis à nous perdu rêve nous. Rêve haïtien, je dis à c'est visa avec qu'un autre. Et quand on dit des bagages importants, l'homme moun résilient le prend qu'un autre pour aller chercher la vie meilleure. C'est un acte de courage, son acte de désespoir extraordinaire. Son acte de courage parce que où qu'on est, où grand pile chance, où il y a 50% chance qu'on pas arriver qu'on doit aller là. L'autre jour, une quelle semaine ça, nous tendons un petit voilier qui fait naufrage avec près de 24 monde. Et en même temps, tout son acte de désespoir, parce que ça avait dit, je préférais prendre Rissa, parce que je suis là. Donc, engagement citoyen, son engagement important. Mais d'abord, saluer toutes mesdames Yokla. Dire bonsoir. Et dans le programme nous mettons en place dans MDV Haïti, nous ne croyons pas seulement dans 30%, nous croyons dans 50-50. Parce que, mesdames, vous avez un rôle important pour jouer, pas seulement dans le social et dans l'économique, mais dans la politique. Ce n'est pas normal quand vous regardez la dernière législature, sous près de 149 parlementaires, c'était 3 femmes, pendant que vous avez 52% de la population. Comme je ne pas pour nous encore, avant fin mois, je dis tout dit toute maman, à toute fille qui cavine maman, bonne fête pour le 30 mai. C'est un plaisir pour moi de m'avoir nous. Ndame dit nous que social là son bagage qui t'a touché depuis très jeune. Moun qu'on aime plutôt comme entrepreneur. Et en pile moun qu'on aime comme Jean peuple a décrit pesé sous serre. Nèg qui fait qui craser qui met président qui retire président. Même quoi que gon bagage que MCA a dit qu'important. Sou pas parler pour vous, réseaux sociaux a parler pour vous. Sou pas dit soyez, réseaux sociaux a construire. L'homme de petit, papa me dit qu'on apprend mon bail qui relait bien faire et laisser dire. Je dis on pas qu'à bien faire et laisser dire. Parce que sous bien faire et laisser dire, eh bien les laisser dire ces réseaux sociaux a et la manger. Gon deuxième bagage MCA a dit c'est vrai. Lorsque mon envie d'un bagage négatif ou joindre 10 000 là-dedans. Très rare, nous dit un bagage positif. On bat bravo pour effort, voir réseau fait, pour qualité de travail ça. On bat jamais qu'on aime d'apprendre entrepreneur. L'homme finit philo en Haïti, même dès qu'on a l'école Bel Air, petit séminaire. Et pour les gens qui ne connaissent pas, on bat faire tout. On descend baccalauréat en seconde, on réussit. M'entrer faculté de médecine à 17 ans. Université d'État d'Haïti. L'homme diplômé à 23 ans, m'a choisi à l'étudier santé communautaire. Papa m'a dit ouvrir une belle clinique pour moi, Pétionville. Je fais cardiologie, je fais chirurgie. M'a choisi à travailler Cité Soleil. Je fais 14 ans pour travailler Cité Soleil. Je construis un plus gros hôpital qui était dans le pays à l'époque. 800 accouchements par mois. 75 gouttes. Médicaments compris. Manger compris, carbone compris, docteur compris. Opération chirurgicale 24 heures sur 24. $225 haïtiens. Tout bagaille était compris. J'ai choisi d'ouvrir l'école Cité Soleil, qui est le foyer culturel Saint-Vincent de Paul. Jusqu'à présent, l'école ça a là, 42 ans après. Il y a 2500 personnes là-dedans. L'année dernière, quand toute année avant, yo, nous voyons 350 timoun dans l'examen 9e année fondamentale. 346 passés, 4 pas passés, 98% de réussite. Le ministre de l'Éducation nationale l'a dit, c'est l'école qui débaille, puis bel score dans tout le pays. Ya. Cité Soleil. Nous avons choisi à le travail, refait l'hôpital Fort Liberté. Nous avons ouvert centre de santé La Fossette, nous avons fait centre de santé Wanamet, nous avons travaillé à Boto, Cas Soleil,
jusqu'à présent centre la Fossette là a travaillé. Et actuellement pendant ma parole avec nous là, n'a construit l'école même gens avec pas cité soleil là en dans la Saline. Année dernière, le massacre la Saline l'a fait. Messieurs rentrent dedans, ils ont retiré toute porte, toute bagaille pendant que presque fini. Actuellement là, on a fini l'inscription pour commencer en juin pour que l'école là ouvre en septembre. Timounio encore une fois, pas payer en goud parce que c'est dans l'entreprise nous prenons comme chaque mois pour nous payer professeurs, pour nous faire formation professeurs, pour nous payer recyclage, pour nous payer la craie et autres. Tout matériel scolaire. Donc, social là, son bagage qui est essentiel. Mais ça ne veut pas dire que l'on est entrepreneur ou pas faire social encore. Moi, j'ai commencé l'entreprise à 40 ans. Ce n'est pas vrai, je veux. Son accident de parcours qui fait que moi développé premier petit maquette qui est le délimat là pour les gens qui vivent la plaine, qui étaient dans le carrefour marin. C'est petit délimat ça qui baille, gros délimat, qui baille Autoplaza, qui baille Nissan et qui baille El Rancho qui recevoir nous là. Les petites victoires apportent les grandes victoires. Et moi fier je dis, de ce que je suis haïtien natif natal. J'ai 65 ans. Je fais 64 ans en Haïti, un an en dehors d'Haïti. L'homme d'aller étudier, l'homme d'aller spécialiser en santé publique. Jodia, depuis 2 ans, nous décidons, nous faisons carrière médicale, nous faisons carrière d'entrepreneur, nous faisons carrière tout, politique ou carrière d'homme politique. Nous lançons MTV Haïti. Je dis non, ce n'est pas folie, mais folie, pouvoir. Je ne pas même intéressé. Ce qui est intéressant, c'est que chaque Haïtien décide d'entrer dans le parti politique. Il n'est pas obligé MTV Haïti. Mais œuvre sociale, là, action sociale, là, rôle citoyen, pour l'on payer taxes. Et l'on pas payer taxes, l'on travaille avec dignité. Hier, j'ai lu un tweet de président dominicain Abinader. Il dit, rêve pendant 4 ans, là, c'est bailler 1 million de dominicains additionnels, travail, puis on vit avec dignité. Si nous n'avons pas de dignité, nous n'avons pas de respect. Si nous n'avons pas de travail, nous n'avons pas de respect. Donc, moi-même, je remercie Voisin Réseau, je remercie l'équipe jeune femme ça, jeune garçon ça. Je invite nous toutes qui sont jeunes là aujourd'hui. Dans la vie, où toujours une opportunité. Pas la gueule. Prends-le. On va me finir. Je salue un jeune qui est là pour parler avec l'hôpital. Yo Elil, ma food. Nous connaissons. Et même rencontrer jeune ça par hasard sous Facebook. Et depuis lors, nous commençons à parler. Et c'est là que ça me découvrit comment. Dans le pays d'Haïti, nous ne parlons pas l'autre. Nous ne parlons pas l'autre. Et puis nous faisons images, nous faisons films. Le réseau fait film autour de nous. On va nous la main. On va nous accolade pour nous dire oui, nous voulons changer Haïti. Merci beaucoup. Et oui. Oui, oui, oui. Reginald Bolos dit un mot là, en pile moun gèdwa pas comprendre ou bien pas quoi. Li di li là quand on invite. Pourtant, qui ça pi fort moun te ka penser? Ça c'est activité Reginald Bolos. Non. Nan voir réseau ne fait bagay yo on l'autre gens. Nous fait activité nous personnellement, nous contribuer, nous inviter Reginald Bolos. Oui, activité sociale, yo, yo te pris un coup d'arrêt. Un coup d'arrêt avec pays lock, yo pris un coup d'arrêt avec kidnapping, yo te vin pas ka continuer encore. Donc, pour marquer reprise activité nous yo, que nous pral expliquer yo comment yo pral fait yon l'autre façon, voir réseau te décidé faire yon lancement. Yon relancement officiel. Mesdames, Messieurs, Voix Réseau relancé officiellement sur le terrain. Merci. Vraiment, merci Coach Bebenz et merci au docteur Reginald Bolos et pour la présentation. De toute façon, introduction ça qui est d'une grande importance. Des mots d'encouragement qui sont montrés nous comment, et à partir des petites
actions à partir des entreprises que nous avons fait de grandes réalisations, de grandes choses, et c'est des bagages que nous avons besoin aujourd'hui. Je vais rappeler encore une fois que thématique activité A, c'est engagement citoyen, structure organisée, pilier du processus démocratique et du développement durable. Et je vais souligner pour tout le monde que c'est Voix Réseau, pour tout le monde qui a regardé, tout le monde qui parle bien pour suivre nous, qui a organisé l'activité ça jeudi pour montrer à la jeunesse haïtienne, pour montrer au pays qu'on peut utiliser les réseaux sociaux autrement, qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir des valeurs locales, pour promouvoir la culture, pour promouvoir nos sites touristiques, nos sites culturels. Et jeudi, c'est une occasion pour nous présenter toute activité Voix Réseau organisée et surtout pour nous montrer nous des modèles qui gagnent pour que nous soyons capables d'influencer mon lieu autrement. Je dis à tout mon influenceur, en tout cas, en pile monde, c'est influenceur. Mais vous influencez quoi? Qui ça n'a pas influencé, justement? Donc, tout le monde veut être sur les réseaux sociaux. Mais veut être dans qui ça? Donc, est-ce que nous aidons Haïti à avancer? Est-ce que nous aidons Haïti pour mouvoir tête mieux? Est-ce que nous promouvons tête nous-mêmes? Est-ce que nous faisons des bagailles pour nous vendre notre image de pays? Eh bien, c'est l'activité Savoir Réseau a fait que nous allons pour nous présenter tout à l'heure à partir d'une vidéo documentaire que m'a invité technicien pour vous montrer nos kounia cap sur toute page. Et cap en direct avec nous, Kounia. Merci beaucoup. On applaudit encore une fois l'activité A et les gens qui ont organisé l'activité ça. Voix Réseau, c'est surtout un sens d'engagement. Un sens d'engagement dans le niveau social, entrepreneurship et politique. Ça veut dire que c'est une série d'utilisateurs des réseaux sociaux, on a parlé de blogueurs, webmasters, cyberactivistes. En fait, cinq utilisateurs du réseau social qui regroupent tête ensemble et puis qui manifestent le même sens d'engagement. Ça veut dire qu'ils ont fini soudé sur deux questions. Qui c'est Haïti d'abord et puis réseaux sociaux. Mais moi-même personnellement, moi c'est un monde qui est toujours engagé et engagé dans trois domaines ça, ni dans le domaine social, dans le domaine entrepreneurship et dans le domaine politique. D'ailleurs, je me songe très jeune, on a dit petit même fait entrer dans l'université Kiskeya, m'a dirigé une entreprise familiale qui sont compagnie de transport. C'est-à-dire, sens d'engagement entrepreneurship plan de tout petit, il était la caille, moi m'a dit non sens. Socialement, m'était toujours impliqué dans des activités qui t'a fait dans divers côtés dans le pays, dans fait champêtre, côté que mal filmé et puis moi publié. Et puis politiquement, m'était toujours engagé. D'ailleurs, moi, j'étais arrivé même quitter le pays, c'est après une défaite électorale, après 2011, que y a un président que je pas souhaité quitter diriger le pays. Et l'homme gardé moi, c'est lui-même qui devient président, de quitter le pays. Donc, c'était tous les trois sens d'engagement, ça, de très jeunes ou bien tout petit qui étaient toujours manifestés dans le même. Et justement, les que j'ai quitté le pays, et c'est aux États-Unis, je vais faire connaissance de réseaux sociaux, c'est-à-dire je vais apprendre. Mais pour des raisons haïtiennes, natifs, natales que nous y sommes, nous n'avons pas 4 heures de l'autre bord, nous sommes obligés de tourner en Haïti. Mais l'homme de tourner en Haïti, je me dis que je ne suis pas engagé encore politiquement, puisque je estime que la défaite ça a été trop cuisante pour moi. Donc, moi, j'étais plus traité dans le domaine social et dans le domaine entrepreneurship. C'est comme ça. Moi-même, à quelques amis, nous montrer un groupe côté de promouvoir le business, nous, puisque j'étais dans l'activité immobilière, dans l'activité agence immobilière et agence de voyage. Et nous faisons des tournées en dans le pays hein, pendant que nous faisons des formations pour les jeunes. Pendant que n'a pas prendre nos réseaux sociaux, mais c'est une possibilité pour nous faire business, nous marketing pour business nous. C'est-à-dire c'est un type de marketing social que nous avons utilisé. Parce que j'aime Zoulan, moi j'étais censé abandonner le domaine question politique là, mais moi j'étais à prendre réseaux sociaux que j'étais appris aux États-Unis, plus à pousser business pam
avec business moun ki nan ekip mwen parce que nou te bati yon ekip ki rele Coach Ben Benz et team Coach Ben Benz. Donc 2016 vin paret, on l'autre président monté, mais 2017 avec mouvement Petro-Caribe yo, mwen estime mouvement li te gen yon mank. Et mank sa, c'est un mank technologie. Donc nous-mêmes qui te gen versé dans domaine technologie, dans domaine réseaux sociaux, malgré que moi te laissé domaine politique là, on dit là, il était besoin yon push. Et c'est équipe ça qui c'est équipe Team Coach Ben Benstan qui vient transformer en équipe qui relé voix réseau et c'est équipe ça qui va mettre en série de petites vidéos qui va pousser mouvement Petro-Caribe sans que nono pas jamais paraît. Donc en fait, voix réseau c'est une histoire de yon équipe, yon histoire personnel tout de chaque monde dans l'équipe là, mais qui t'est traversé par des sens d'engagement et puis qui vient rejoindre ensemble pour mener un combat par rapport à une lutte que nous estimons qui t'est gagné un manque qui c'est mouvement Petro-Caribe. Donc manque ça nous pral porter li à travers technologie, à travers réseaux sociaux et puis pour nous pousser mouvement plus loin. Mais en fait, nous disons que nous pas prêter là, nous pas prêter non simple question de pousser un mouvement. Donc groupe ça qui c'est une grande première en Haïti côté des utilisateurs de réseaux sociaux regroupés tête nous ensemble, nous disons que nous ca faire mieux que ça et nous ca porter un bagage qui beaucoup plus positif pour pays. Donc c'est ça que fait avec des aspirations qui étaient partagées, qui étaient traversées non. Des philosophies que nous pouvons la donner. Donc, nous entrons organisation, nous entrons mouvement, nous perspectives d'avenir, nous balayons forme, nous gagnons des perspectives et nous réalisons des bagailles. Donc, nous avons dit voir réseau, li actif. Naturellement, moi aimé contact moun ak moun. Donc pratiquement et expérience professionnelle moi, c'est pral ou après que j'ai commencé comme journaliste, et journaliste sportif et après ou pral jeune que j'ai des expériences dans ça qui les services à la clientèle plus précisément dans télémarketing. Donc contact moun ak moun, mette moun ensemble, travail en groupe pour capable arriver dégager un intérêt commun. Ouais, yo avant, c'est vrai que groupe lan pas connait non ça. C'est le que m'té vinn entrer dans groupe lan que n'devin bay non ça, mais ça qui était intéressé c'est que c'est pendant et période de mobilisation Petro-Caribéen, moi t'ai suivi sur internet là spécialement Twitter. Un groupe jeune qui a utilisé technologie ensemble avec réseaux sociaux pour faire revendication au passé d'une façon qui était assez innovante. Donc ça devait attirer l'attention parce qu'il était différent de ça que moi habitué. Il était prend sang pour te mener une image de qualité mais qui était gagné une histoire derrière lui. Une histoire qui était chita ou ta ouais ce sont des monde qui prend sang qui réfléchit avant que poser action que t'a posé. Donc ça t'a attiré l'attention. Et le groupe dans groupe ça qui t'a proposé pour m'entrer c'était avec tout contentement que m'étais accepté entrer parce que quelque part moi t'ai ouais que en tant que jeune ça t'a permettre moi porter participation pas dans on lutte pour aider joindre une autre façon pour nous porter revendication nous yo by dirigeant yo et même travail tout pour capable aider avec yo nouvelle classe politique. Le moyen d'entrer dans le groupe là et yo te fait une décantation pour moi qui était assez important. Côté que t'a dit que voix réseau sorti dans yon et groupe qui était là avant lui qui c'est la marche longue. Le que moi vinn pas apprendre qui ça qui marche longue là c'est yon idéologie qui basée sous Mao Tse-Tung. Mao Tse-Tung nous capable briller que c'est père de la révolution chinoise moderne. Et dans mi-temps 20e siècle, lui-même il a remarqué que
prend un seul groupe de monde dans la capitale chinoise, à savoir Pékin, pour mener une révolution Britsoukou, il n'y a pas apporté résultat. Alors que un groupe de monde qui pratiquement constitue force vive paysan, c'est eux-mêmes nous capables de dire jeunes capables de connaître qui c'est arrière pays ou bien paysan dehors ou bien paysan yo, li t'après le compter sur au plus. Li aller vers moun sa yo, li travaille ensemble avec yo, li implanter une idéologie, li ancrer dans yo et puis pour li capable de faire révolution sortir de arrière pays en côté moun sa yo puis marginaliser dans société a pour mener dans grande ville. Donc Mao c'est tout ni même li t'a pas prend pratique ça sous révolution bolchevique en Russie et il t'a pas adapté avec réalité chinoise. Donc nous même dans voie réseau nous pratiquement ces mêmes bagages là. Nous connaissons que étant donné que nous croyons dans action mais plutôt c'est une action qui réfléchit. Donc nous réfléchit avant. Bien entendu, là où on parle de mettre ensemble ou pas qu'à mettre toute couche de monde ensemble dans la société. Ou pas qu'à mettre tout le monde, toute idéologie ensemble. Parce que il y a des gens qui, pratiquement, chaque monde qui a une idéologie qui ne peut pas matcher vraiment. Mais nous plus viser une masse critique, c'est ça qui fait que ou après nous plus centrer pour nous capables de joindre un discours, je suis capable de dire qui rassemble pour mettre les gens dans lui-même face à la responsabilité, face à la réalité, face à la capacité comme citoyen, comme monde pour porter pierre par là. Et même je des gens qui travaillent dans le pays à vous dire que, ou même pourquoi ou pas capoter résultat, ou même pourquoi ou pas capoter toute solution, mais si je des gens qui partagent même vision ensemble avant, si je des gens qui partagent même idéologie ensemble avant, pour que ça nous pachite ensemble, nous discuter, nous réfléchir et puis nous planifier une action qui est capable de porter résultat devant. OK, Voix Réseau c'est un groupe citoyen pratiquement qui rencontré sous réseau social spécialement Twitter parce que avec mobilisation pétro-caribéen té vinn l'autre utilisation que jeunesse haïtienne que société haïtienne té vinn fait de réseau social ça c'est Twitter. Ou pour remarquer que actuellement Voix Réseau il gain pratiquement compte sous tout réseau social parce que nous dans 21e siècle réseau social pèse un poids sous ça qui a rapport ensemble avec mobilisation citoyenne spécialement sous besoin contre le lobbyiste sans que ou pas vraiment des moyens financiers dans monde. Si on par exemple nous pour aller dans manifestation mais c'est vrai que nous poser action pour aller dans manifestation mais c'est qui gens que nous pour aller qui message n'a voyer qui monde n'a visé tout ça yo ce sont des réflexions qui pour aller bail qui type de pancarte n'a utilisé qui ça n'a écrit sous pancarte tout qui gens n'a écrit yo et c'est ça fait que après nous même dans voie réseau. Donc, c'est pratiquement difficile pour nous parler un feedback positif de l'action que nous posons parce que nous pouvons être en réflexion pour être capable de mener l'action, mais ce sont des actions qui sont bien réfléchies. Moi-même, personnellement, activité business, marketing et puis sport intéressent pile. Et dans Voix Réseau, moi je joins ça qui est compatible avec comportement. Dans business, moi même moi c'est un monde qui c'est un marketeur né et moi va commencer parler de ça pour moi pas bailler crédit avec un mentor moi t'ai gagné qui c'est Alcimon Kola. Il était un papa pour moi, il était pasteur l'église moi. Ça veut dire l'aide me grandir et capacité ça qui était déjà là caille moi. Nous même dans Voix Réseau, nous pas utiliser plateforme pour faire politique seulement. Nous utiliser aussi pour nous capable booster activité entrepreneurship que nous chaque qui dans groupe là avant entreprendre. Dans Voix Réseau, nous pas seulement un groupe jeune qui sur réseaux sociaux, mais nous représenter plusieurs business. Là-dedans, gain Bibi distribution, gain Unité Senza, gain Folie Pizza, gain EA distribution qui moi-même moi représenter. Nous toujours prend en pile activité et que ce soit dans fin année qui s'est passé à nous moi-même avec des autres jeunes qui parlent dans Voix Réseau, mais même moi t'ai représenté Voix Réseau, nous t'ai fait une activité dans une fois ça qui était relé football pour dire non contre sécurité. Et pendant 2021 ça là nous avons lancé des campagnes tant que Target for Haiti, nous lancer des campagnes qui c'est coup d'œil sur nouveau projet constitution hein. Et nous fait plaisir l'autre activité que ce soit bail fleur dans manifestation, que ce soit pour mettre fait pancarte des personnages dans international là qui t'ai porté support et support pour lutte cap mener en Haïti contre dictature.
Ça veut dire tout ça aussi des actions dans voir réseau que nous-mêmes nous fait déjà. Moi même j'ai des activités ça parce que moi même les m'a bouger. Mais par contre c'est parce que peut-être parce que moi même fais sport parce que sport sont activité physique qui permet de bouger en pile qui fait moi même bouger comme ça. Mais aspect ça moi joindre dans voir réseau qui vraiment compatible et ça vient faire plus engager pour capable continuer toujours continuer faire travail ça. En fait, voir réseau pas simplement des personnalités ou bien des utilisateurs de réseaux sociaux qui regroupent peut-être. Li ça vraiment, mais li pas ça seulement. Nous utiliser des méthodes et nous utiliser des principes nous ka di qui basés sur des stratégies militaires. Des méthodes nous inspirer nous de monde qui fait des combats déjà avant nous dans sens ça et nous inspirer de méthodes yo. On ka cité par exemple un nèg kan kou Jenny Sharp qui écrit sur méthode comment pour combattre dictature côté pour mener des luttes pacifiques et nous inspirer en pile de un mentor comme ça. C'est ça que fait wa pour dans voir réseau nous utiliser des méthodes qui c'est des blitz posts, des targeting, geo-targeting, de fighting posts. Donc toutes ces séries de méthodes de combat et de stratégies que nous utilisons en dans voir réseau. Mais en plus tout, nous pas un groupe monde qui simplement a agi. Dans voir réseau, ou après gagner des sections, ou après gagner via intelligence. Ou après gagner section clairuse, ou après gagner marche longue communication qui c'est bras communication de voir réseau. Donc en fait, nous même le n'a pas des voir réseau et bien le n'a implanté voir réseau, j'aime dire là nous utiliser des stratégies militaires, des sections, des brigades, des tactiques qui pour permettre que nous accomplis des objectifs clairs, des objectifs que nous visons pour faire. Tout dernièrement, dans la dernière manifestation, yo, en pile, moun tap pale, mouvement pour tes fleurs, bas policiers, qui côté le sorti. Donc, c'était section claire et heureuse dans voie réseau qui t'a accompli des missions comme ça. En pile, moun tap dit, vidéo, par exemple, sous Jade Banane, qui côté le sorti, qui j'en fait noter gain des images de précision comme ça. Donc, c'était équipe intelligence. En dans section voie réseau qui te permettent nous gagner. Donc en fait, juste quelques exemples pour dire que c'est pas deux trois mondes qui simplement regroupent tête yo pour mener des activités, non, il y a des sections, il y a des objectifs, il y a des méthodes, il y a des stratégies et de temps en temps nous évaluer qui côté nous y est, qui côté nous avancer et qui côté parfois tout nous fait des échecs. Donc, en fait, voir réseau, c'est ça. Belle qualité image, image très belle, et puis parole, le sens de l'engagement, mais surtout, et activité qui est réalisée, je pense que jusque-là, ça méritait encore une fois de gros applaudissements pour tout le public là. Ils ont présenté ce qu'ils appellent l'engagement citoyen. Ça y a fait comme jeune, en tout cas, moi je dis ça, comme jeune dynamique, c'est pas seulement des jeunes, parce que il y a toute qualité jeune, mais il y a des jeunes qui sont plus dynamiques, il y a qui sont moins dynamiques, mais il y a qui, quand les gens peuvent utiliser encore une fois les réseaux sociaux, ça c'est le message principal là. Parce que c'est le message qui est plus important, c'est quand les gens peuvent utiliser les outils numériques. Il fut un temps, moi-même par exemple, qui suis un homme de médias, étant donné que je travaille pour un média de la capitale, il arrive que tu as un certain moment où on a dit que il n'y a pas de radio encore. Parce que les mauvaises nouvelles qui sont dans la radio, ils ont déjà bout avec la question ça. Mais depuis quelque temps, avec l'arrivée des réseaux sociaux, on a l'impression que tellement nous utilisons mal, encore une fois, il y a de moins en moins de monde qui a envie d'aller sur les réseaux sociaux parce qu'ils disent c'est là qu'il y a toute qualité d'image, toute qualité mauvaise qui a passé, c'est là qu'il y a zin. Ils ont compris radio pour zin, qu'on a repris Facebook pour zin, Instagram pour zin, Twitter pour zin, alors que c'est des outils numériques que nous avons utilisés autrement pour nous faire bon bagaille. Pour nous vendre l'image d'Haïti, même gens avec messieurs, dames qui n'en voient réseau. Encore une fois, je vous applaudis, travail ça fait, qui est très important. Je vous présente ça, vous faites déjà. Je vous présente objectif, vision, côté où vous voulez aller.
et qui type de monde qui là dans yo, qui type de jeunes qui travaillent avec yo, en tout cas m'a dit qui travaillent, qui collaborer, qui participer ensemble, qui mettent ensemble pour que yo capable porter une autre image d'Haïti. Mesdames, messieurs, c'est avec plaisir que m'a invité encore une fois le coach Bebens pour venir parler de perspective bien avant que nous présenter invité qui a gagné pour venir parler avec nous. M'a rappelé nous que gagné Dimitri, gagné Mafoud qui était là, par contre qui était en déplacé, gagné James Francisque, gagné Gayo, gagné Kadif. C'est des personnalités très importantes qui t'a dû venir là pour, alors même si tout pas présent, mais gagné qui a intervenu avec nous en direct sur les réseaux sociaux, encore une fois avec la magie de la technologie, ou même qui partout que au Port-au-Prince, que l'autre côté dans pays, qu'au ailleurs du pays, on a des possibilités pour assister avec présentation ça ou pas le fait là dans quelques instants. Mais avant ça, encore une fois, on a invité coach là vient parler nous de perspective qui ça gagne pour faire, ça on va le réaliser très bientôt et dans qui sens tout nous-mêmes si nous t'avons intéressé venir participer avec nous, nous ca rejoindre structure là, nous mettre visiter page et Facebook n'a pour yo, n'a pour voir réseau yo, nous ca like, nous ca partager, nous ca rejoindre structure là tout pour que nous faisons l'autre bagaille pour Haïti. Coach, on met fond avancé pendant la demander pour encore une fois public là pour l'applaudir coach Ben. En fait, nous partons pour perspective, même si vous avez un bombardé ma question sur le documentaire. Le documentaire qui a demandé qui ça qui Fighting Post, qui ça qui Blitz Post, tout une série de questions. Comme nous toujours préparés, nous avons tout simplement fait un petit résumé rapidement et puis nous allons entrer dans la stratégie. Yo. Mais pour nous parler de méthode, yo, pour nous parler de brigade, yo, de section, yo, li bon pour le monde qu'on est pour maîtriser voir réseau en lui-même qui s'allie. Pour ne pas jamais oublier, bien que nous disons déjà. En fait, c'est une stratégie d'influence. Ça, li clair pour le monde toujours. Pour le monde toujours, qu'on est pour songer ça, son stratégie d'influence. Stratégie d'influence, ça, l'y fait sur le terrain et l'y fait sur les réseaux sociaux. Gain deux tendances dans le domaine réseaux sociaux ou bien dans le domaine d'engagement. Gain moun qui dit réseaux sociaux rend nous pas reçus, c'est-à-dire il faut pas engager ou. Donc, c'est comme si nous pas pile béton. Hein? Ou pas monter sous terrain, le fait que vous fait un post, vous fait un tweet, donc les décourager à participer activement sur le terrain. Ça, c'est une première tendance. Gon l'autre tendance même qui dit, réseaux sociaux, c'est sauveur. Le fait que les fait plusieurs, les atteint plusieurs objectifs déjà, printemps arabe, il y a un pile gouvernement qui tombe à partir de lui-même. Donc, il y a des gens qui estiment technologie, réseau social, c'est sauveur. Nous-mêmes, dans voir réseau, nous faisons un mélange des deux. Je pense que, et ça fois nous dit, activité sur le terrain et puis activité sur les réseaux sociaux. Pour nous-mêmes, il y a complémentaire. Et là, si nous regardons l'activité sur le terrain, voir réseau réaliser, là nous avons un domaine sur le terrain. Ou après voyage, ou après visite, ou après découverte, formation, redécouvrir Haïti que nous sommes parlés là. Ça, c'est des activités sur le terrain. Visite, yo, gen des visites des entreprises. Pour qui ça? L'IPI bon pour aller directement dans le sous-stand. Pour elle, gens que ou même ou confronté de difficultés, entrepreneurs, business, yo confronté le tout. Même gens tout, employés, yo tout, yo gen des difficultés. Donc, lors fait visite yo dans l'entreprise yo directement, ou en contact direct avec moun yo, avec dirigeant entreprise, li permet ou qu'on est mieux. Que ça ou tendez en pile l'autre monde à parler, à dire, parfois qui pas réel. Donc, visite yo extrêmement important pour nous. Mais ce n'est pas visite d'entreprise seulement, il y a des visites d'exploration, il y a des visites pour
connaît un start-up qui a évolué. Et là, je ne peux pas remercier des gens qui toujours ont facilité nous, qui toujours ont établi des contacts, permettent nous en contact à des dirigeants d'entreprise pour visiter ça yo Capabriel. Yon nèg kankou biron odige, m'pa ka pa saluer, m'pa ka pa remercier et ben donc aucun chien applaudissement pour lui. Biron, aidez-nous, Vive Haïti, supportez-nous. Pourtant son l'autre organisation. C'est vrai, nous gen des différences de stratégie, de vue, d'opinion avec Vive Haïti. Mais ça n'a pas fait que nous pas joindre un moyen de collaboration. Donc, nous pas quitter divergence nous, affaiblir nous, mais nous fait divergence nous, youn supporter l'autre et nous grandir côte à côte, espérant que nous pour retrouver dans grand processus marche longue que nous c'est un seul petit. Donc, visite yo, visite entreprise yo, yo aider nous comprendre et les nous comprendre nous projeter yo vers le public. D'ailleurs, si on regarde yon visite biron odige te permettre nous faire dans ferme Youri la Tortue, n'importe moun ka regarder sur réseaux sociaux ou après visite pa nou an, li fait plus vue que pigou influenceur qui te fait visite ça tout dans ferme Youri la Tortue. Pour qui ça? C'est parce que stratégie d'influence nous, hein, côté le nous font poste, c'est nous tous qui back up poste ensemble, sous plateforme nous. Donc, les promote, les fait moun oué, les fait moun comprendre ça qu'a fait dans le business. Hein, et particulièrement, visite ça, j'en dis là. Et l'homme gade au fond, bat même elle-même. Moi, je suis un des masters qui campé. On a un gros applaudissement pour Biro DJ qui dans la salle là. Oui, c'est pas simplement visite, gain promotion et tout. Nous pas simplement visiter, nous gain des activités de promotion. Le nous comprenons activités importantes à faire dans pays an, n'aller et n'aller à toute équipe technique nous à bras communication par nous qui c'est marche dans communication, nous promouvons. Nous fait ça pour des entreprises, nous fait ça pour l'autre groupe, par exemple, Radio Kiskeya, l'LT subit attaque ou bien incendie. Donc, nous faisons ça, aller, supporter, promouvoir. Nous, pas simplement des visites de promotion ou bien de support, mais nous avons des activités d'engagement. Tout ça, m'a dit là, son j'aime dit que nous avons des activités sur le terrain, nous avons des activités sur. Sur les réseaux sociaux, donc moi sur le terrain. Donc nous avons des activités d'engagement tout que nous faisons, sitting, manifestation, tout l'autre activité d'engagement ça yo. Donc yo rentrer dans ça que nous relais activités sur le terrain. Mais pas simplement ça, des formations, ces activités sur le terrain que yo. Donc tout ensemble d'activité ça yo, j'en dis que ou pas doué rete simplement des téléphones non, ou doué souterrain, mais ou pas doué simplement souterrain pour simplement à protester, ou ka à encourager, ou ka à initier, ou ka à supporter. Donc nous comprendre ça et activité sur le terrain yo, nous fait yo dans divers domaines. Activité online yo, activité réseau social yo. Nous comprenons que c'est important tout. Par exemple, Target for Haiti sont campagne online. La donne nous fait des amis et la donne nous fait pas des ennemis, des victimes. Nous fait des victimes. Des victimes, puisque Target for Haiti a un groupe lobbyiste qui a supporté pour voir ça, bah en pile menti. Donc, Target for Haiti, à partir de yon hearing, qui est une audition qui t'a pral fait, nous t'es vraiment mettez toute machine nous en place, nous target des personnalités importantes dans divers pays, yon t'es venu faire comprendre ce qui a passé sur le terrain. Et actuellement, là, il y a des amis que nous venons gagner et des gens qui prennent plus engagement. Par exemple, tant qu'on est avec Grégory Mix, tant qu'on est avec Gio Gayo qui va parler là. Donc, c'était Target
for Haiti qui te permettre nous aborder moun sa yo, qui permettre que nous wè poste nou yo, qui permettre que nous wè n'ap font travail important et puis moun sa yo vinn allier nous dans gros combat ça que n'ap mené contre la dictature mais pour le développement durable. Oui, t'es gen coup d'œil sur Haïti, on l'autre campagne online tout que nous t'ai mené, campagne online qui t'ai visé à expliquer constitution. M'songe youn nan poste que nous t'ai fait, Diaga yo dit que là vérifier, li pote ko même trois connaît nous. Li dit et li retweet département d'État, li dit ça groupe ça, li wè y a dit là de constitution, de toute une série de bagages, li vérifie, li wè c'est vrai. Donc c'est une série de problèmes que moun pat konnen nous mettons en lumière et les nous target des personnalités importantes avec eux yo même yo vinn konnen question et yo même yo fait poste ça yo fait démarche ça yo rivé plus loin. Donc c'est pour me dire que activité nous yo Jean que me dit déjà yo pas simplement activité sur le terrain ou bien c'est pas simplement activité sur le terrain qui est important ou bien on l'aille pas important ou bien on l'aille important terrain, non, tous deux important et nous-mêmes nous comprendre ça dans voie réseau. Quelques méthodes, nous avons joué quelques questions là qui parlent de méthodes que nous utilisons. Oui, il y a des méthodes que nous utilisons, c'est pas simplement faire post, tweet ou bien poster ou bien vidéo, yo marcher avec des méthodes. Il y a blitz post qui c'est côté que nous mettez tout membre nous en alerte à telle heure précise, nous pral font blitz, nous pral font post côté pour tout monde retweet, côté pour tout monde share en même temps. Donc c'est une méthode qui pour permettre d'atteindre plus de monde. Targeting, m'songe Diaga a dit qui j'en nous fait joindre moi, qui j'en nous fait qu'on aime et le a m'a expliqué monsieur, c'est target nous ka target nous. Donc nous connaît par exemple qui travaille où, nous connaissons tel le ou plus disponible, et maintenant tel le pour nous target ou, pour nous faire que ou est des postes dans des domaines bien précis. Nous faisons geo-targeting, par exemple, dernièrement, Wanamet, le projet constitution pour aller parler dans nos zones, il y a des méthodes pour faire nos zones bien précis, ou faire des postes pour les gens qui ont un projet, ça pour aller parler, pas en faveur. Donc, ou viser zone nan et pour target zone nan avec des messages précis qui pour faire favorable à un sujet ou bien défavorable à un sujet. Donc ces types de méthodes ça yo que j'en nous dis nous utiliser fighting post. Nous songe gon lobbyiste qui relé Damian qui t'a ba en pile menti mais nous te fight post yo chaque le li font post et puis nous mettez 10 posts en bas post parlant pour nous montrer mais avec des preuves pas dans jouré pas dans dibay qui pas vrai avec preuves parfois copy screen pour l'autre monde cap suivre moun ça pour yo wè son monde qui pas crédible et puis backup post. C'est le youn nan nou ou bien un monde important ou bien un monde qui font poste qui normal et puis tout réseau an nous back up posta nous promote posta. Oui, en fait, c'est pas des monde qui fait poste ou bien qui cliquer sur réseaux sociaux mais il y a des méthodes et méthodes ça yo nous utiliser yo et yo bay des résultats. Mais méthode ça pas ta possible si voie réseau a en lui-même li pas de gon structure, li pas de gon composition. Et composition en dans voie réseau yo, yo extrêmement important. Exemple, nous gagnons Claire Heureuse. C'est une nan brigade, c'est une nan structure. Bon, l'autre monde va faire jalousie en dans structure que moi-même personnellement moi pire aimé. Est-ce que c'est parce que son groupe mesdames, mais c'est qualité engagement yo, c'est qualité mission difficile yo. Moi songe que yon manifestation qui t'a pral fait mesdames yo t'es pensé pour yo faire yon activité qui c'est poté fleur by policier. En pile moun t'es découragé yo, yo t'es dit yo pral prendre yo à coup de pied, y'a qu'à prendre yo à gaz. Mais objectif là c'était le fait que pouvoir en place là montrer mouvement de manifestation, ils sont équipe brigand, sont équipe voyou, donc yo té vle bay mouvement de manifestation yo l'autre image.
et yo pensé un mouvement qui sorti dans 198 méthodes comment pour combattre la dictature non livre que Jenny Sharp écrit. Donc yo dit que y a remanié méthode ça et yo pral appliquer. Et image ça fait le tour du monde et à jamais on moun pa ka di mouvement contre dictature cap mené là, c'est un groupe voyou, non, c'est des républicains qui visaient et émergence Haïti. Donc mesdames ça qui était inspiré de méthode ça et qui était accompli mission ça, donc clair heureuse, c'est en section yon brigade yon groupe d'âmes qui opérait des opérations commando. Opération commando, on moun ka dit non, c'est trop gros mot, li pa un gros mot, c'est on les gon guerre, OK. Ou pour qu'on ka gagner guerre là, ou ka mener des opérations précises qui bordent des petites victoires. En fait, c'est ça Claire Ruse. Et comment m'ta passé sous Claire Ruse pour m'pas ta saluer la chef de cette section que mandé pour ta font ti campé qui c'est Lamana Senatus de Tough One. Sénat, c'est chef équipe ça, mais pas seulement Sénat. Gen yon pièce motrice dans l'équipe blanc réservée mais méticuleuse. Mielovna, vous connaissez où? Gros applaudissements pour Mielovna. Au sein de Voix Réseau, à côté de Claireuse, mais nous gen équipe cyberactiviste. Cyberactiviste, c'est une équipe qui l'a dans des moments précis qui simplement concentré dans la salle, cap imaginer, cap créer des postes et puis cap promouvoir poste ça. Et chef équipe ça c'est Adelson. Adelson gen les deux. Gros applaudissement pour Adelson. Adelson gon ti langage di remedi, m'bral fè yo wèl. De pourtant de m'bral fè yo wèl ça, c'est près de 200 tags qui nan lis Adelson pour faire tout moun wè on poste que nous pral faire. Donc Adelson qui c'est chef équipe cyberactiviste là, en pile poste que moun ap wè qui vinn viral sur les réseaux sociaux, c'est grâce à Adelson. Pas simplement cyberactiviste, nous gen via intelligence. Là une on ka di son section que moi aimer tout puisque moi-même moi aimer di on bagay, l'on moun al vérifie ou est c'est vrai. Moi remet tweet fax, moi remet post fax. Et via intelligence, c'est lui-même qui permet nous gain des informations sur parfois de première main qui pour permettre nous ka faire des posts. Ou après que te gagné et premier vidéo sous jardin banane que nous t'ai posté, en pile moun pas comprendre. Mais yo wel, mais yo pas comprendre ni puisque yo pas ka comprendre qui jon jardin banane fait bay accès en groupe opposant qui pour al faire yon vidéo en dans jardin. Donc c'était yon équipe ça et nous pas ka présenter chef équipe ça, vous comprendre très bien pour qui ça puisque dans domaine de renseignement intelligence, mais nom de code li c'est Boss Ben. Un gros applaudissement pour Boss Ben. Oui, via intelligence permet nous gagner des images de précision sous Kay, mon ancien président qui dit que li prêté. Nous gagne l'autre image qui plus précise que bien vidéo que qui poko fait. Donc c'était toute équipe ça qui en marche de composition de Voix Réseau et fait enquête et pour poster. Donc en fait Voix Réseau, c'est toute équipe ça, mais nous pas capable parler de aspect financement. Aspect finance dans Voix Réseau, c'est une équipe et chef équipe ça. Là, m'ta remé, t'aime fin dit ça avant applaudissement. Dans Voix Réseau, question l'argent, c'est lui-même nous mettez plus précision sur lui. Puis force structure cap craser, c'est l'argent Brésil. Et tout nèg politique, bon, tu me dis presque tout monde politique, pas nèg, presque tout monde politique, nous est capable parler de comment yo combattre la corruption. Pif
faut pas qu'on comment combattre la corruption. En d'envoyer réseau, meilleur moyen de combattre la corruption, c'est par transparence et rapport. Transparence, c'est presque impossible pour une semaine passée pour rapport son activité, rapport de dépenses parfaites en d'envoyer réseau. D'ailleurs, redécouvrir Haïti que nous sommes parlé tout à l'heure là, qui était allé dans le nord, dans le sud, mais rapport nous sous table là. N'importe monde qui voulait aller vérifier, ouvert, garder. En pile fois, il y a des gens qui présentent des rapports, ils disent qu'ils ont gardé, mais pas touché. Non, nous-mêmes garder et très bientôt, là, sur toute page, nous, mais nous là, pendant que nous allons garder. Donc, transparence en d'envoi réseau, c'est lui-même qui vraiment soldat qui combat la corruption. Deuxième bagaille, c'est rapport. Rapport en tout temps. Rapport sans preuve. Ezekiel Ambraze, qui c'est chef équipe ça, Melde là. C'est nèg kap bo rapport jusqu'à ce que l'inerve ou. C'est de temps en temps, parfois deux, trois fois, nous jouons, et avec ça, nous combattons la corruption. Et c'est sous base ça, nous qu'a dit, nous-mêmes, dans Voix Réseau, nous sommes l'une des organisations les plus crédibles en Haïti. Pour qui ça? Nous transparents. Tout ça n'a fait, tout le monde connaît. Pour activité ça, si on me demande combien de cob, ou demande n'importe quel monde, bon côté, ou être marqué staff, demande combien de cob Ezekiel Bay, il a dit ou. Si on demande combien de cob Will Benz contribue, il a dit ou. Question l'argent, pas tabou pour nous, et question l'argent, c'est de temps en temps n'a fait rapport. Et, moi vraiment regrette, pas qu'il y ait des sondages qui ont fait sous question ça. Si il y a des sondages qui ont fait, c'est avec un pile fierté, m'tap gen un élément objectif nan même pour me dire nous sommes l'organisation la plus crédible en Haïti. Mais le fait que pa gen sondage m'ka di parmi des organisations. Et si te gen yon moun ki vle deal, qui vle allier en organisation sérieuse, li tap konnen sous des critères objectifs. Donc, en gros, c'est toute composition ça et aspect financement li vraiment important pour nous. Et là, moi arrivé à notre ami Wolfgangson sous perspective yo. Donc, perspective et c'est ça nous fait là jodi an, lancement ça pral gagner même type de lancement ça dans chaque département paysan avec moun nan zone avec force zone yo, avec des forces progressives dans département yo. Donc type d'activité ça yo, c'est une perspective que nous gagnons qui pral fait dans plusieurs recoins dans pays. L'autre et perspective que nous gagnons, c'est visite entreprise yo qui a poussé, c'est visite en ville de province yo et visite dans pays étranger yo. Pour qui ça? Visite à l'intérieur pays lui permet de connecter à pays, lui permet de connecter à moun yo, lui permet de projeter tout ça qui a passé dans la région yo. Mais gens que vous remarquez, c'est pas des reportages que nous allons faire d'aller dans ville de province yo. Nous fait travel influencer vidéo, c'est-à-dire c'est nous qui jouer aspect touristique là, c'est nous qui participer là-dedans. Donc c'est pas reportage de vidéo de site touristique, mais c'est travel influencer vidéo que oui. Donc type d'activité ça yo, oui, il y a poursuivre dans des villes de province. Mais aller à l'extérieur de pays en tout, extrêmement important. Me songe on nèg Kankou Johnson Napoléon, il dit très bien et phrase ça arrête le marquer. Bien que Johnson moins qu'un des différents avec laisse sous aspect politique ou bien social, Johnson parler plus tendé avec l'autre monde, l'autre parler de activité politique pour gétan chita idée. Mais activité entrepreneurship 10 sur 10. Et monsieur dit jeune haïtien, c'est comme s'il fermait non bocal. Le fait que le fermait non bocal, il poko wè. Et fait le poko wè a fait le pas qu'on en série de bagay. Donc c'est ça te fait dans Voix Réseau, youn nan perspective yo qui c'est visite à l'intérieur de pays hein, mais c'est visite à l'extérieur de pays en tout. Donc
c'est type de perspective ça yo que nous viser et yon encore perspective c'est renforcer structure nous renforcer structure nous à travers membres à travers partenariat d'ailleurs nous gon partenariat que n'a fait actuellement dans trading market donc c'est renforcement de partenariat ça et puis poursuivre même type d'activité on la yo avec sur le terrain donc en fait perspective yo si vous voulez résumer très bien c'est ça Wolfgangson, où t'as besoin de perspective, mes perspectives. Bravo, bravo, et encore une fois, bel applaudissement. On va besoin, de trop quoi aller parce que on a besoin pour tout à l'heure et encore une fois, me donner pour public là et monde qui a regardé, apprendre à apprécier activité et belle activité que Warizoyo se présenter là à travers. La voix de coach Ben Benz et m'daimer pour monde qui besoin rejoindre voix réseau nous capable nous capable aller sur internet n'a besoin toi à partir de numéro de téléphone n'a gain on dal l'autre élément qui permet nous et faire communication avec yo et rejoindre yo pour renforcer équipe là pour capable en même temps renforcer message positif yo voilà dans quelques instants nous pral gagner et inviter nous yo qui pral gagner pour prendre la parole parce que de toute façon nous t'ai annoncé yo yo gagner pral gagner pour intervenir pendant quelques minutes avec nous sur des thématiques spécifiques qui liées en tout cas sur des thèmes spécifiques qui liés avec thématique du jour là et mais avant premier monde que n'a gagner pour nous présenter pour vous c'est un citoyen que nous tous connaissons. En tout cas, qui est devenu de plus en plus populaire à travers les réseaux sociaux, des petites vidéos qu'une capable ouais sur Internet là, presque prend monsieur pour un militant, grand pile monde qui prend monsieur pour l'autre bagaille, mais vraiment pour un politicien. Mais non, il n'est pas politicien, mais il a la parole de citoyen et monsieur gon logique vraiment et monsieur gon discours que la particulier ou envie de dire, mais vraiment ce type hein, dans quelle planète il vit hein, parce que vos impressions sont bagaille qui dépassent avec Jean nous-mêmes, nous gon lenteur, nous gon laxisme. Nous pas comprendre réalité yo n'a pas le pour présenter ma foot mais c'est encore une fois un monde qui connaît monsieur qui va l'expliquer pour qui ça l'inviter monsieur venir parler avec nous même qui c'est jeune m'a invité encore une fois le coach des coachs Ben Benz venir parler nous de ma foot applaudissements pour monsieur applaudissements pour tout ça qu'a fait yo ma foot Haïti ma foot c'est un ami c'est un nèg depuis près de 2 ans qui c'est membre voix réseau en pile monde pas comme ça et nous même nous pas vraiment non aspect de publicité de show off de marketing tout autant pas réglé en bagaille ma foot moi songer il était subi en arrestation le yo t'ai contacté équipe plan nous t'ai dit n'a connait d'abord pour qui ça arrestation nous pas pral faire tapage dans média nous pas pral prendre frime politique. Et le nous te vin nous est son arrestation m'gadi familial, nous pas parler de ça. Actuellement là, Mahfoud a subi des menaces. Mahfoud li m'gadi a couvert. C'est nous qui mettez Mahfoud m'gadi dehors avec des mesures de sécurité non moins impossible non pour Mahfoud là avec nous. Mahfoud c'est un ami, c'est vrai nous gain des différences, que ma foule trop hat, différence sur les sujets internationaux, mais ma foule était, on a dit radical, mais ma foule était 11 ami, parfois en pile fois ma foule fin parler font vidéo, kembe ma foule nous des oreilles, parfois nous fâcher et puis nous bien. Mais ma foot gagne un concept que le développer et mon kon di ki jan fè m pa tande bagay ça avant parce que qui ça ka fò pa vle engager ou c'est peur mouri et ma foot solutionner domaine ça et son parole que m vle plus moun tande et c'est ça que fait m après les ma foot d'Haïti dans quelques minutes k'ap montre nous qui l'ont mort utile et qui l'ont mort pas utile et le gon l'autre Jean Pierre bien que le dit ma foule d'Haïti bon m'a salué chaque grand monde qui là nous bien entendu nous saluer nous patriotiquement bon on ca toujours saluer nous patriotiquement même pas saluer nous haïtiennement
son plaisir pour moi là et faut me dire négo les coach Bebensan c'est gain grand dans monde. Excusez m'expression parce que moi même m'a parlé me parler créole. Pour qui ça parce que moi même c'est un nèg et pas accident moi méthodologie parce que m'était gon bagaille par contre si son bagaille au fait d'm m'était tombé dans li Marcel Mauss parce que moi même lever dans famille catholique ça ba e bébé n'sa connait côté que Paul m'était kon lié Pierre m'était kon lié ba ça mais m'était toujours m'dit chet excusez-moi encore nèg qui écrit ba ça nèg yo formé nèg yo gon capacité pour yo déhaïtianiser ou pour yo fort comprendre yon bagay qui pa gen ken rapport avec la réalité et nèg yo axé sur deux bagay le sexe et la mort. Et c'est ça que l'école qui a été mettée mieux été fait. Il y a un bagage qui fait que nous chaque qui là qui existait c'est à partir de l'immense. Si menti dit menti, c'est deux mondes qui rencontrent. M'pas contre si c'est sous ou sous. M'pas contre si c'est folie ou rien. M'pas contre si c'est une qui bail l'autre cop. Il fait bagage, il fort. Le sexe là, son bagage qui primordial. L'Église à partir de héritage colonial là, il a tabotisé ça. Ok, sexe son bagay qui vient tabou, nous pas parler de lui. Mais l'autre bagay là, qui c'est la mort, mes amis, ils font film avec le banon. Ils disent nous, monsieur qui vient là, qui mourit après 3 jours levé. Je pas pour me discuter de ça parce que je me levé là-dedans. Je suis chrétien jusqu'à maintenant. Eh bien, moi je me dis, ok, de toute façon, on ne peut pas éviter l'inévitable. Pas grand monde qui vient là après tout ces efforts que Beben fait pour rencontrer avec nous ou bien fait pour rencontrer avec là c'est pour qu'il vienne enterrement même les mourir. Il a dit m'a grand monde en plus. En termes de nombre, statistiquement parlant, tout ça n'a fait sur la terre, c'est pour qu'il y ait plus monde dans enterrement nous. Qui pas parler s'il nous rien vrai non? C'est des monde qui des femmes qui pas même saluer l'autre vivant qui parler les amen. En camper là. L'autre bagarre encore c'est que vous voyez nous un bagage qui est l'école, qui a expliqué nous les cycles de la vie, ou bien encore les caractéristiques de la vie. Je dis la naissance, la respiration, la croissance, la reproduction. Mais vous perdez que la mort là-dedans. Parce que pour mourir, il faut vivre. Et pour vivre, il faut mourir. Je me dis l'enquête. Bagay ça ka fait mon père, moi le font jamais même pour me font bagay avec. C'est pas bal moi paix. Me penser que si bal la prend m'a pour quelques minutes, yo pas prend soin m'a mourir. En fait, me paix la mort. Grand goût est mon a fait manifestation, te fait grand goût clo works. Nous fait tout tintin, nous fait tout ça nous connaît yo, c'est parce que nous connaît grand goût grand niveau nous rivé la touyer nous. Même cas de Jacques là. Des fois même disons mon t'a violé, même si m'ta femme m'a quitté violé, des fois c'est moi qui parle ba Suisse là parce que en fait sexe n'a pas touyer, c'est sida que nèg k'a violé m'nan k'a ban moins que m'paix. Au final la mort. M'dit toute bagaille résumé à la mort. Oh nous vinn sur la terre pour nous mourir. M'dit depuis pour nous résoudre problème la mort, ou après résoudre tout l'autre problème qui gagne honnête, y compris problème pays. Bon bon monde journée aujourd'hui qui dit au pas prêt à bas corruption c'est parce que vous pas voulez passer ta comme Maître Dorval. Oh Maître Dorval t'es pensé m'ta mourir en vain. Grégory Saint-Hilaire ouais ouais m'te qu'on a dit Machado et quoi m'relé moi-même il dit prudent men bon j'ai dit prudent et même je vois pas de presse garde prudent volant va même comment prudent voler les machines va tomber non toute prudence c'est engagé pour dire la mort amis. Je viens pour mourir, je mourir là pour mourir. Et comme si tu es monifié, et ça a eu la mort. Jovenel Moïse, entre guillemets, je ne vais pas l'homme dans le monde. On dit que dit qu'on tout le monde. Là, je mourir tout. Mais, lorsque combat la mort, ou viens faire un bagage que le combat contre l'immortalité. Dessalines a combattu la mort. Et jusqu'à présent, nous avons appelé nos Dessalines. Il y a qui te connaît Dessalines, qui te connaît manger Dessalines. Nous ne connaissons pas le nom. Mais Dessalines a combattu la mort. Et de ce fait, il est devenu immortel. Il a dit combattre la mort, c'est rendre tout immortel. Il dit que bon, de toute façon, je vais mourir. Nous avons sorti là. Bon, nous avons pardonné là, le tremblement de terre passé, ça a tombé sur nous, nous tous mourir. La mort quand même.
Mais de ce fait, me dit bon, il y a deux types de morts. Bon mort utile, bon mort gratuite. Et c'est ça bébé Steven Remy dans ça que me t'a dit hein. Côté que me dit mort utile, là sont morts que ou me pas dit subi non ou jouit. Ouais, me dit ou jouit parce que moi prendre l'amour parce que moi m'a avancé dans réflexion mieux. Côté que me connaît que la mort pas finissement la vie. La mort c'est une étape dans la vie. Même aller plus loin pour que je comprenne que j'ai une réincarnation. J'ai une qui fait là. Par rapport avec Tintin, en fait, les gens qui ont fait, ils ont fait chien. J'ai une par rapport avec comme l'État, ils ont géré, ils ont fait chat. Les gens qui ont fait. Parce que tu te comportes en chat, la nature prend responsabilité de la fortune en chat. J'ai une qui est macaque, puisque tu te comportes en macaque, ils ont fait macaque. C'est bon bah que me bral détailler là pour me parler de réincarnation m'a continuer parler de la mort utile la mort gratuite. La mort utile la mort gratuite là ou ka prendre dans différents thèmes. Pas forcément on est qui rele tête li ma food, pas forcément on est qui rele tête li bembens. Gen plusieurs façons ka bénéficier, ou bien dit de bénéficier de la mort utile. M'a commencer par la mort gratuite là. C'est pas exemple manik saute là. Nous connaissons que par rapport à la situation du pays, il y a plus fort jeune. Depuis que nous avons préval comme président, alcooliste vient tout nos modèles. Plus fort jeune après éclairé. Même gens, parce que la société fait ce modèle. Depuis nous avons que nous qui arrivent à la magistrature suprême, nan, sont affaires atelier, nous venons dire que nous n'avons pas un problème. Tout n'est qu'à éclairé. Là nous on est qui craque, l'arrivé, on est qui te qu'on a pris les bandits légal, l'arrivé président. A dit tout n'est qu'à bandit, c'est ça. Bref. Ben, on est qui fin fumer boz ou bien qui fin fumer crack, qui fin breakler pendant on sorti dehors la machine craso ou subi un mort gratuite parce qu'on mourit pour rien. Ou mourir ou pas mourir pour rien, ou pas t'a défendre aucune cause. Mais on est pendant arrivé là ou t'a battre madame ou bien ou t'a battre ton zanmou ou même là c'est ton policier que t'a fait parce que journée aujourd'hui un policier répression sur monde m'ta arrivé là m'jeune un policier a frappé un étudiant pareil moi m'varé sous ou m'ta t'a tiré l'âme subit un mort utile parce que mourir pour une cause mourir utile lorsque mourir pour famille moi mourir pour me dire génération qui vient derrière moi li pas qu'à joindre mode éducation que m'joindre. Là, sont morts utiles. Il y en a qui mourent pendant que vous demandez côte côte au Caribé ou bien mourir, même l'autre tape un balle dans dedans. On est un coup de blanc tatou que vous fouillez balle dans la bouche et tirez parce que vous dit que ce n'est pas normal pour 4% de monde qui ont des richesses pays pendant que 96% a mangé la fiampe, nek ça li bien mourir. Et li pas mourir non parce que li vin immortaliser tête li parce que li fait choix de yon mort utile. A dit moi utile c'est comme si l'on fin avec Léon là marcher là machine frappe bau. Ou pas mourir pour rien. On est tout qui a le prend quoi ou bien on prend 1000 goud pour voter. Pendant qu'on va voter à machine fait accident avant ou bien qu'on fait ça. Jovenel Moïse qu'on va go naïve, il prend machine dans monde et puis tout il met tombe. Ouais, si machine ça fait accident, monde ça mourir pour la gloire de la République. Pour nous quitter saute parce que journée aujourd'hui là journée aujourd'hui là, gen moun qui dit au pape engager parce que au père mouri. Mais c'est petit bébé qui prend balle la caillou. Est-ce que vous avez une manifestation? Evelyne sincère, monsieur que manzer pensait me taper mourir avant parce que me prend plus engagement pas seul. Malgré l'église protestante pas dire mais me dit manzer son monde qui l'église. Peut-être là ils font petit coupé. L'église pas dit rien. Oui. Et tout le monde qui l'a coupé, qui fait, même père et maman la papa qui coupé, okay. Bref. Mes amis, moi, mandez-nous pour nous apprécier ça que me dit, pas dans le sens rien, non, analyser. Pour nous comprendre que, est-ce qu'il y a un temps que, c'est pas dans nos portails, il y a un temps de machine pour nous dire, pour nous gouvernement, ou bien pas qu'on est qui est-ce qui est à Méo, parce que jusqu'à présent, je dis gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui est responsable de la sécurité. C'est lui qui a contrôlé les ports. C'est lui qui a contrôlé l'aéroport. Haïti a un bagage aux âmes. A dit toutes les âmes qui sont dans le pays, elles ont PHK entre eux là jusqu'à présent. A dit, ne que mourir pendant mon portail. Je vais le tigre avant de sortir. Je tire plutôt mourir pendant que je dis, côte cop Peto Caribia. Côte cop série RH là. Côte cop coopérative là, si on est capable de penser, c'est la valasse. On mourir en monde.
Au lieu de nous mourir en chien, plutôt de mourir en moun. Je demande à Bébé son bagage. Bébé, par contre, si Bébé c'est vrai, moi-même, je te dis que, et par rapport avec l'engagement que je fais, si je suis footballeur, chaque comme font gol, je suis un maillot en balle qui marque Côte Cop et au Caribbean. Puisque nous, plus qu'on aime sous, n'est qu'à parler, parler, même chanter tout. Si nous voulons chanter, je vais chanter pour nous. Par contre, si nous voulons. Ok, eh bien, on nous bat de monsieur parce que yo les monsieur Mafoud et en tout cas il passe deux présentations grand pile vidéo que c'est dans vidéo mbal, alors c'est sur internet mbal découvrir monsieur bat connaît malgré moi même t'es passé technologie toi en certain moment mais lui il est encore étudiant à la faculté et lycée on étudiant engagé si me décarer le comme ça m'a même dit l'on étudiant engagé ils sont citoyens engagés qui décide de parler nous de mort utile mort gratuite ben, c'est concept là Jean Claire Cognat et moi même les ben ça expliquer m'a pas comprendre bon en réalité m'a pas comprendre parce que nous ouais c'est l'égal à lui-même c'est même ma foule là c'est même style là c'est même parole nous pas de attendre nous à l'autre bagaille et ben voilà merci encore et pour intervention maintenant nous pour gagner on l'autre personnalité qui passe de présentation bon dit plutôt c'est une personnalité qui vient connue encore une fois très très connue pour le public jeune et pour d'autres monde dans pays à partir des réseaux sociaux parce que c'est vrai il était toujours là comme homme d'affaires grand plein nous pas de connaître. Mais depuis quelques années, Dimitri Forbes est passé de présentation, on t'a dit amplement. Bon, me dit le conservateur parce qu'il a été toujours connu dans le milieu, mais maintenant c'est un monde qui gagne d'autres paroles que le capoté pour nous. Et m'a brûlé pour présentation Dimitri Forbes, l'amana senatus qui parle gagner pour dire nous qui est qui est l'homme, qui est lié et probablement parler non porter intervention que le parle gagner pour le faire. On applaudit l'amana senatus s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Et après-midi, hein, 15 mai 2021, moi chargé pour mon capable introduire un monde que moi apprendre connaît qui sorti dans classe que yo té apprendre pratiquement côté me sorti pour nous apprendre ouais en façon. On va pas le dire ahi. Mais peut-être pour nous garder que bah aux responsabilités jeunes à vivre alors que nous pas payer pour yo améliorer condition la vie nous le m'a grandi nous pas gain route en côté et puis au jeune monde au lieu de dire l'état que l'a payer taxi à pour là pour le faire route là il dit bourgeois ça gain business en zone là pour qui ça va faire alors que ou jeune monde ça parfois li dans diaspora mandel combien route li ont bourgeois dans zone ni en fait pas ca répondre nous c'est toujours l'état qui fait route yo ou bien on compagnie qui gain contrat avec l'état li fait route là il a exploité route là pendant un certain temps ou levé par gain l'école et puis au lieu que moun nan mande l'état pour construire lycée pour li capable rendre lycée accessible pour tout monde à l'école normalement parce que l'état doit nous ça. Ou jeune monde nan di comme ça que pour qui ça intel fait l'école telle l'école pour gagner cher comme ça pour qui ça l'école privée ça tout comme ça baisser le pour me gal là-dedans alors que dans pays côté l'autre la évolué ou bien pays que l'a gardé yo li ouais c'est l'état qui met ton standard d'éducation pour tout le monde mais secteur privé il gen droit faire l'école pas qu'on ou même souvle on l'autre bagaille ou là-dedans donc c'est comme ça que yote levé nous pour nous ouais moun ça autant que responsable tout malheur nous. Peut-être c'est est-ce que c'est parce que le venu tant quoi avec une mentalité que automatiquement mon gagne le droit ou bien nous tout ta supposé même gens on pas connaît même bra le présente un monde qui fait partie de secteur ça qui c'est jeune cabre les bourgeoisie ou bien secteur privé c'est pratiquement un secteur que nous d'accord ou pas on pays pratiquement pas fonctionner sans lui parce que on pays gagne partie public là que l'état gère et gain partie privée que moi même avoir fait partie de lui et on paye tout gain plusieurs élites là-dedans ou capable l'élite administrative élite intellectuelle élite politique mais on a joindre élite économique là tout là-dedans même si gain monde dépendamment de point de vue qui pas vraiment dans causer élitisme là mais en Haïti pratiquement c'est ça que nous ouais c'est ça que apprendre nous c'est ça que nous connaît donc pour qui ça pour représenter secteur privé un jour dit
nous choisi Dimitri Vob, c'est parce que personnellement moi-même moi apprendre qu'on elle c'est un monde qui gagne une conviction. Souvent de Dimitri Vob depuis qu'elle décidé impliquer dans politique, combien fois elle changé ligne, l'Abdoul beaucoup fait ça. Ligon li depuis 2005-2006 que le Kembe jusqu'à aujourd'hui. C'est ça fait tout c'est un monde qui pas nan moun ka boule de boss c'est ou gon position gagne ou pas gagne ou pas gagne même sou en facile le fait qu'au kembe position là il gagne plus respect pour vous au lieu que ou vaciller. Donc c'est raison ça qui fait que on capable dire que pratiquement content le fait que t'es bam possibilité pour me présenter Dimitri Albert Edouard Vob qui c'est un monde que moi apprécie sous plan politique sous plan des affaires mais tout moi apprécie le comme monde. Non seulement j'en lié comme monsieur Marie ensemble avec madame ni mais j'en lié tout ensemble avec petite. Mesdames messieurs, n'a présenté nous monsieur Dimitri Albert Edouard Vob sous vos applaudissements s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. C'est dommage que m'pas ka avec nous physiquement. Mais grâce à la technologie, je pense que nous n'a coûté moins. Est-ce que nous tendez moins? OK. Et premièrement, je voulais dire nous que moi très intimidé parce que niveau que moi qui là et pas penser que me apporter un pile bagage pour nous. Au contraire, m'a pas prendre un pile de nous. Et Benz, Sénat, c'est comme ça me relèl et Mafoud et tout l'autre monde qui parle là yo et vraiment moins féliciter nous moins impressionné moins émerveillé moins ému que moi que pays moins gain tout ça là-dedans gain monde ça là-dedans gain qualité ça et me penser que nous avons un gros rôle pour nous jouer moi nous commencer faire ça fait me plaisir ça a toujours fait sans filtre et ça a toujours fait participer j'aime capable. Qui est-ce que Dimitri Vob? Moi, son haïtien natif natal. J'ai 47 ans. Je fais Port-au-Prince. Marié depuis 25 ans. J'ai trois petites. Je fais toute classe moi Saint-Louis de Gonzague. Et mal fait études universitaires moi FIU. Moi gradué comptabilité. Moi son entrepreneur. Moi retourné dans le pays mal travail. Moi d'abord participé avec maman non pâtisserie qui est les pâtisseries Marie Bellior. Ensuite, moi je viens vice-président Sogener que moi fondé en 2002 avec tonton et certains autres monde de famille. Moi tout ces présidents ont usine que relève Velas Hispaniola qui est en République Dominicaine côté que nous fait bougie pour l'exportation, nous fait bougie pour les États-Unis. Donc moi c'est un entrepreneur avant tout. Moi yo ben mon présentation pour me faire sur le secteur privé. Que m'bral parler nous de lui même penser que c'est n'a tellement bien moyenni que li presque fait m'a réfléchi sous jambe de vle approcher là parce que elle a été au point elle a été parfaite elle a beaucoup dit et mais moi même moi pral faire pas sans filtre gen moun k'ap content gen moun ki pas content et sur les réseaux sociaux c'est moun ki sur réseaux qui ferme sans filtre parce que c'est ça que yo apprécié. Moi grand pile monde qui apprécié, grand pile monde qui pas aimé ça tout. Moi fait connaissance en pile dans jeunes ça sur réseaux sociaux. Et moi ka témoigner que moi rencontré coach Bebens c'est sur les réseaux, nous vinn parler direct message. Il était venu rencontrer moi sur Genève, nous te font bon parler ensemble, ensuite il était visité centrale là et nous te parler d'Haïti. Et moi très heureux ouais que Reginald Boulos un gros coup de main à travers Nissan pour que voir réseau qui a existé, parce que c'est un type d'activité que moi tape toujours participer là-dedans, si moi t'es dans le pays moi, et si moi t'es toujours une activité en Haïti. Et d'ailleurs, je t'ai expliqué mon projet, je t'ai remis en pile, je t'ai tombé d'amour de projet à tout depuis le début. Donc, je félicite Reginald Boulos pour gros travail ça que le fait. Et moi, connais que voir réseau a toujours indépendant, voir réseau a ouvri porte pour tout le monde, que c'est MTV, que c'est
Yuri la Tortue, que c'est quel que soit monde qui veut montrer la réalité de ça la faire. Donc voir réseau pas là pour décider ni pour pousser son monde, il là pour montrer la réalité. Donc il vini ou dit yo dit tel bagage sur ou, lui même lui ouvri porte li pour le montrer peuple là, pour le montrer population la réalité des choses. Et yo t'ai venu rencontrer ce génère, nous t'ai visité centrale là, yo t'ai posé mon pile question et me t'ai répondu toute question sans filtre, ça t'ai fait un plaisir que moins qualité, capacité, monde qui en d'envoie réseau. Ma pour tourner sur sujet pas maintenant qui c'est le secteur privé, le rôle du secteur privé dans le développement du pays et dans la politique, dans le social. Avant tout, je voulais dire qui sac secteur privé parce que très souvent puis le monde pas compte qui sac secteur privé. Secteur privé, c'est d'abord toute profession. C'est tout secteur d'activité qui pas dépend de l'État. L'État seulement met un cadre de loi et de protection pour les gens qui travaillent dans le secteur privé, pour employer. Par exemple, le Code du travail. Mais au fait, l'État n'a pas intervenu dans le secteur privé. Il supposait quitter la libre concurrence à l'intérieur du secteur privé pour quitter le secteur ça, activité ça, travail. Faisant partie du secteur privé, où gagnent les banques, les associations des banques, où gagnent tout les ONG, où gagnent tout les entreprises non nationalisées, où gagnent les avocats, les architectes, les experts comptables, où gagnent cordonniers, où gagnent bostailleurs, où gagnent coiffeurs, où gagnent ébénistes, où gagnent même ça relait le secteur informel. Donc, secteur privé, contrairement à ça, a toujours fait population comprendre. J'en sais dans ce deal là, pendant que je sans filtre, ce n'est pas Milan, ce n'est pas bourgeois, ce n'est pas monde qui a cob. C'est tout le monde qui a participé dans l'activité pour le faire un petit business, pour le faire un dégager, pour le vendre un service. C'est tout qui fait partie du secteur privé. Ce n'est pas seulement les 5 plus grandes compagnies d'Haïti, ni les 5 plus grandes compagnies du monde. Donc, nous, en Haïti, nous, le secteur privé, on l'autre gens. Et nous faisons cadeau, ça ouvre le secteur privé à un groupe moun. Et on a payé conséquences. Parce que si nous sommes d'accord que nous, tout est fait partie du secteur privé, et que nous sommes organisés, nous, c'est nous qui avons parlé dans le non secteur privé. C'est nous qui avons parlé dans le non machin. C'est nous qui avons parlé dans le non bus, tap-tap, chauffeur. Et c'est nous-mêmes qui tapons chita devant l'État pour mettre des lois qui n'ont avantage secteur privé. Le nous dit secteur privé, c'est 5 grains de monde, 6 grains de monde. Eh bien, les lois qui ont fait, c'est avec eux chita et c'est dans l'intérêt eux chita. L'international l'a vini, c'est avec eux chita parce que c'est eux qui structurent dans sa ouïe le secteur privé. En Haïti, il y a un manque d'organisation. Pas un groupe qui est représentatif de ça me sont expliqué là. Oui, un groupe qui est représentatif dont minorité qui voulait faire tête qui passer comme secteur privé. À ce moment, toute bagarre qui a décidé dans le secteur privé, c'est avec eux décidé. Donc, nous avons le schéma que nous avons aujourd'hui. Pour population, secteur privé, c'est un petit groupe, ils sont tous ensemble, ils sont tous à défendre l'intérêt de l'autre. Il y a des gens qui parlent de Sogener, Lidio, Reginald Boulos, là-dedans. L'on parle de Nissan, je dis, Dimitri Bob, là-dedans, c'est même lui maintenant. Alors que Reginald Avem, peut-être, à un certain moment, nous avons même les mêmes idées sur certaines choses. Donc, il est très important pour la population comprendre qui est le secteur privé et quel est le rôle du secteur privé. Maintenant, dans un pays, chaque groupe doit jouer un rôle. Le secteur privé a un rôle pour le jouer. Le rôle du secteur privé, c'est investir comme créer emploi, créer richesse, le fait comme payer taxes pour le payer. Le payer taxes, l'État qui a pris comme lui-même pour le faire service que c'est Nata expliqué nous tout à l'heure. Qui c'est
faire route, faire courant, qui c'est tout type de service que nous besoin. Mais secteur privé à lui-même. En Haïti, c'est comme si que l'op fait comme son péché. Dans tous les pays du monde, l'op fait comme son bon bagage. Maintenant, l'op fait comme là, faut que ou baille la donne. Faut que ou paye la donne. Faut que ou paye taxe. Plus ou fait comme ou paye taxe. Plus ou paye taxe, plus l'État lui-même y est comme dans mille pour le faire ça, le pour le faire. Maintenant, ou bien dit, pas gagner assez de d'opportunités pour tout le monde. Donc là, la banque a prêté, elle prêtait seulement à un groupe. Donc, qui s'en a fait pour que nous organisions, ça aurait les lois pour permettre que tout le monde joue un accès à même crédit. Donc, le politicien, lui, s'amuse à faire chaque monde comprendre secteur privé à notre sens pas. Pour mettre population en face de secteur privé. Pour mettre majorité en face de monde qui aurait le secteur privé. Ils veulent peinturer les gens comme mauvais monde. C'est pays qui paye. Parce que quel que soit le monde qui est dans le secteur privé, qui non l'autre pays, qui attendait, qui j'ai traité le secteur privé en Haïti, il va prendre venir. M'a fait deux expériences en Haïti, en République dominicaine. Donc, à jour, c'est vraiment le jour et la nuit. Pendant qu'en Haïti, la population pensait que m'a bien passé, je pensais que tout bagaille facile pour nous, alors que la réalité à qui s'allie. Ou pas de sécurité. L'opre, on prend la banque, on paye taux d'intérêt 10, 12, 14, 15%. Pouvoir d'achat population réduit, parce que le bagaille est comme dans niveau d'emploi et wap chercher qualificatif, qualification baissé parce que pas gen un niveau d'éducation global dans le pays pour tout le monde. Donc, qualité emploi et wap joindre par rapport à l'autre pays, beaucoup moins. L'État, pas aidé. Corruption généralisée. Wap entre la douane avec produit ou. Nous toujours dit, il y a des gens dans le secteur privé qui parlent, mais ils disent parce que l'imité est sous la sellette. Il y a des gens dans la douane qui ne sont pas contents parce que m'a dit des vérités, mais c'est la vérité. Si vous ne pas passer sous côté, il est plus difficile pour vous pour entrer. Si vous pas un contact, ou pas un quoi bois bail, il est très difficile pour faire business en Haïti. Donc, il rend plus difficile pour vous venir investir dans le pays. Donc, tout paramètre ça, mettez un monde qui voulait faire business en Haïti en situation difficile. Alors que à côté à Saint-Domingue, il a ouvert toute porte pour. Il a ouvert système bancaire pour crédit à gogo à des taux de 3%, 2%, ou joindre courant 24 sur 24, ou joindre bon courant. En Haïti, ou pas joindre bon courant. Pour qui ça? Ligne pas bon, réseau pas bon, EDH en green gauche, compagnie cap pour produit courant en Haïti, yo. Nous pas dans niveau compagnie qui produit courant Saint-Domingue aux États-Unis. Nous pas gain équipement par eux. Nous pas gain moteur par eux. Nous pas gain employé par eux. Donc même le moins t'as produit courant en Haïti, c'est à la manière haïtienne. Donc faut que nous apprenne monter niveau, faut que nous apprenne bay service. Les difficiles pour l'État tendre bay ça. Là où parle vérité. Yo gen l'impression contre yo. M'pa kout personne. L'homme te fait déclaration pour m'te dit pour gen courant 24 sur 24 en Haïti, il faut que population ka paye courant. C'est pas parce que m'pa vle gen courant 24 sur 24. Moi vle gen courant en Haïti, même son nèg ki réaliste, pour gen courant, sou pa gen kòb nan poche ou pa ka paye l. Sou pa ka paye l, que c'est l'État qui pral subventionner courant, kote m'pa ale. Plus on va courant, plus on va faire. Donc, c'est une réalité que chaque fois, me dit, je pense que c'est contre mon monde, pas contre personne. Il faut dire des vérités pour que le pays a sorti côté lié. Le rôle du secteur privé, encore une fois, c'est créer richesse, faire comme payer taxes. Est-ce que le secteur privé a un rôle pour le faire politique?
est-ce que le secteur privé a un rôle pour le faire social? Je crois que, je ne sais pas si c'est Réginal qui dit ça auparavant, mais c'est un devoir en tant qu'homme qui réussit. Jean, je suis content de Bill Gates deal. With great power comes great responsibility. Ça veut dire plus ou gros, plus ou puissant, plus ou gain des responsabilités qui est extrêmement importante qu'on doit prendre. Mais c'est pas une obligation que ou gagner de faire social. Faire social là son bagage humain. On paye tant qu'on Haïti aider mon côté Rivière, moi gain devoir, moi gain obligation en tant qu'humain. Mais c'est pas que moun qui pas fait là son mauvais moun. C'est pas non priorité secteur privé. C'est non attribution au moun comme humain pour dire m'pas cap vivre non pays tant qu'on Haïti que m'pas aider dans bibliothèque, que m'pas participer non aider découvrir pays, que m'pas aider non un projet pour construire un hôpital. Wall secteur privé a pas de fait politique. Compagnie secteur privé a pas supposé entrer dans politique. Il y a pas gain rôle yo là-dedans. En tant qu'individu, Dimitri Vob ou Réginal Boulos ou beaucoup d'autres, même le activement pas voulait participer, nous doué chita ensemble pour parler de pays. Nous doué mettre ensemble pour nous faire des propositions. Nous devons, dans la mesure du possible, entrer dans des mouvements politiques. Pas compagnie nous, non? Mais nous-mêmes, en tant qu'individus, nous devons participer parce que garder un pays arrivé. Maintenant, pour qui ça, secteur privé a pas voulu entrer dans la politique? Pour qui ça, secteur privé a inquiet de faire politique? Nous avons dit, ça me parle, garde toi loin derrière, garde ça privé Dimitri Vob. En pile moun nan secteur privé a dit mon cher Dimitri prouvez-nous que ou pas de faire politique. Rete nan business tout, rete nan ti business tout. Parce que gade journée jodi a Dimitri a engagé, Dimitri a parlé, Dimitri prend des positions publiques et puis gade ça ou fait. Monsieur obligé pratiquement en exil parce que monsieur pas d'accord entrer dans logique moun ki nan pouvoir. Donc c'est un choix qui est très difficile mais m'a dit yo même j'a m'a foutre de sorte deal. Il y a un mot utile, il y a un mot qui est inutile. Je dis, malgré tout ça me fait, malgré voix m'a levé, malgré bataille m'a mené, vivant, si mal est arrivé, peut-être que petit m'a dit, mon cher papa, m'a dégoumé. Moi, j'ai des amis que je connais qui mourent pour détouger. Je veux dire, c'est des mots inutiles, mais je m'en fous de dire, peut-être que c'est des mots inutiles. Donc, est-ce que nous avons quitté le pays à entrer net dans le trou? Est-ce que nous avons engagé? Est-ce que nous avons mis ensemble? Moi-même, je ne suis pas dans l'unité, je ne suis pas dans la vérité, je ne suis pas dans la Valas, je ne suis pas dans le PHTK, je ne suis pas dans le MTV, mais je pense que le jour arrive que nous tous devons mettre ensemble. Nous tous devons participer pour retirer le pays à notre trou côté lié. MTV a obligé Chita avec en pile dans monde que me sorti cité là pour nous retirer tête nous côté hier pour construire oui un parti politique solide trois ou quatre partis politiques solides. Me féliciter Réginal pour ça la essayer faire ça prend pile courage yo craser business li yo bouler business li je son target même gens que moi son target jodi a tout donc malgré différent ta ka gar Réginal me pense que jodi a obligé mettre différence à de côté pour nous mettre ensemble, pour nous aider à payer à ce côté lié. Moi, féliciter Will Benz, moi, féliciter Sénat, moi, féliciter toute équipe Voix Réseau. Parce que moi-même, moi, quand je viens cacher là, pendant mon problème, moi, mais en pile, non, yo, pas qu'à cacher, obligé d'être Haïti, et yo risque encore plus que moi. Moi, je risque quand même, je risque business de toi, ben, peut-être, même gagner, je risque. Imaginez un monde qui n'a pas gagné. Qui décidait d'entrer dans le combat, ça. Il risquait plus que moi. Peut-être en termes de monnaie, d'argent, il n'a peut-être pas semblé risquer plus que moi. Mais par rapport à ça, il risquait beaucoup plus que moi. Ma foudre, soit dit,
c'est pratiquement dans marron lié dans cachet lié pour sortir la caille pour arriver là. Mathias Saint-Domingue, Michel en exil Saint-Domingue. Donc on croit que nous passons mauvais moment quand même dégageons bagage positif côté grand pile monde sur réseau qui rencontrer cap mettre ensemble et qui voulait pays à changer qui rencontrer sur réseau moi même grand pile là moi rencontrer sur réseau tout et moi t'a souhaité me capable aider yo capable aider yo comprendre ça créer les faire business comment faire business moi capable aider yo vinn des entrepreneurs un jour ou on l'autre. Yo même tout yo capable de me comprendre réalité pays a qui fait gen division ça pour qui ça toujours comprendre que secteur privé a ses ennemis pour qui ça penser que secteur privé a ses l'état doit faire route faire l'hôpital faire toute bagaille pendant que yo pas vle secteur privé entrer dans politique parce que gon volonté de kimbe secteur privé en dehors de la politique ou ka ouais que depuis Reginald déclaré le parti politique. Et monsieur, c'est l'homme à abattre. Je dis à quel que soit ça qui a passé dans le pays, il y a deux, c'est Reginald et Dimitri Vob. Parce que deux mouns sa yo, engagé yo et mettent tête yo dehors. Alors que nous-mêmes, nous ne parlons pas de mauvais, nous voulons que le pays a changé et nous prenons pile risque pour ça. Donc, ça ne va pas empêcher de continuer. Moi-même, moi parmi moun kap d'accord pour mon mort utile. Et je t'ai souhaité ma foudre et un seul jour. Bon petit courage, bon petit conseil pour que moi pas m'en utile, m'pas vle gon moi inutile. Donc m'pas pral trop loin sous ça. Et m'pense a bien des questions après m'ap ka répondre plus questions sous ça vous vle poser bien. Mais moi vle dit que nan tan longtemps secteur privé était nan politique, nan tan longtemps secteur privé était travail dans l'état, nan tan longtemps l'aime dit secteur privé moun que ouais comme secteur privé jodi a, c'est-à-dire mulat, moun clé, bourgeois, moun ki gen kòb, yo te gen petit yo te nan l'armée d'Haïti, yo te travay nan tout poste dans l'état, yo te sénateur, yo te député. C'est comme si ke goun jou, goun cassure ki fait ki di mulat blanc nèg ki gen l'argent, c'est business yo de fè. Yo pa dwe entrer nan politique et politiciens yo même pa dwe entrer nan business. Et jounen jodi yo jwenn un pays divisé. Côté pi fort moun ki gen business c'est moun clé avec moun nan secteur ça et pi fort politicien c'est l'autre modèle alors que pa dwe gen ça pays a pa dwe gen modèle de division et de chire pit ça pays a c'est pour nous toutes quel que soit couleur quel que soit moyen li dwe bay toute petite li même opportunité parce que c'est vrai que moi jwenn plus opportunité que majorité nan nous même qui nan salle là non seulement dans l'école que moi t'allé nan crédit que me joine la banque que en pile nan nous pas joine nan opportunité que ban moins que en pile nan nous pas joine donc faut corriger ça comment n'a corriger qui ça me pral faire pour corriger pour un pays tout bon gon nécessité pour suspendre chi répète pour nous suspendre goumen pour nous mettre ensemble pour nous développer pays a li pa ka fait sans peuple là li pa ka fait sans secteur privé. Et les papes qui ont fait tout sans yon l'État qui est fort. Chaque mounio a un rôle pour jouer. En tout cas, je suis là. Et puis, je disponible pour des questions après. Merci un peu encore pour m'être venu. Merci beaucoup. Dimitri Vob, merci un peu pour l'intervention. Et qui finit avec un message d'unité et de paix. On met tête ensemble pour nous voir comment on est capable de réussir le pays, pour le pays capable d'avancer vers l'avant. On apprend seulement deux questions. Deux questions pour faciliter leurs intervenants et être capable d'intervenir directement. Si vous avez un bossa qui t'a posé une question, et suis très content que nous pointions du doigt, le doigt pour nous capable de porter le micro pour. Et Dimitri a répondu avec plaisir. Voilà. Et nous avons une première question ici. Pas trop long, pas une trop présentation et puis ça va. Puis, et c'est Phil de Franky. Et pour qui ça Dimitri Mahon, il paraît à Haïti, pour son mot utile, qu'il parti de Mahon l'autre bord. Ok, ça c'est première question. Première question que je pense que Dimitri tendait. Et n'a pas une deuxième question. Hein? Alors, par contre, si Dimitri tendait des questions. Hein? Bien sûr, ok, on va passer avec.
Bonsoir. Et m'a dit Dimitri, merci pour belle présentation ça. Mais il y a un bail que me senti Dimitri pas trop évoqué. Pour qui ça secteur privé haïtien ça, il pas trop remet concurrence. OK. Parce que surtout dans secteur pour là, les m'a regardé gain e-power, gain Sogener, gain e-track. Pour qui ça que nous pas ca jeune 10 compagnies comme ça qui produit énergie. Pour qui ça que le pas parler de bière. C'est prestigieusement moi et si moi Heineken c'est toujours même brasserie nationale qui produit et si m'a regardé soit qui nomme soit l'autre peut-être n'importe qui l'autre qualité de bière que prestige bière, c'est Brana même qui produit pour qui ça pas une concurrence dans ce secteur ça merci concentration en bas là voilà bon ces questions en clair merci en pile et Dimitri vous avez la parole. Bon, ma première, c'est pas la deuxième question, parce que c'est beaucoup plus facile que la première. Et, m'a dit que non, pas de trois compagnies seulement dans l'énergie en Haïti. Il y a plus qu'on vingtaine. Peut-être qu'on n'est pas content de parler de l'autre. Et, il y a une compagnie qui baille courant et Mol Saint-Nicolas. Et, il y a une compagnie Jacmel. Il y a une compagnie Les Iwa. Et bien compagnie. Maintenant, je vais vous comment le secteur énergie a fonctionné bien rapidement. D'après la loi en Haïti, on n'a pas le droit de venir vendre une compagnie qui vend courant si ce n'est pas l'État haïtien qui font appel d'offres qui invite. C'est loi depuis sous Duvalier. Ça veut dire que si vous voulez venir faire une compagnie Pétionville pour me vendre courant, je ne suis pas capable. Sogener a existé dans le cadre d'appel d'offres que l'État a fait, que nous répondons, nous gagnons, nous avons un contrat à l'État, le contrat fini, la compagnie a disparu. Donc, soit Abdio là pour exister dans l'énergie, c'est l'État qui fait. Pour le dire, n'importe qui doit venir ouvrir une compagnie courant, ou à vendre courant, le peuple a choisi dans qui est-ce qui a passé. Et c'est la même chose pour la concurrence. Dans tous les pays du monde. Ce n'est pas force ou force, c'est concurrence. C'est pays qui est intéressant pour investisseurs parce que il y a sécurité, parce que il y a de l'eau, parce que il y a courant, et puis il y a fini. Le jour Haïti ouvre vraiment, il y a une compagnie, Brana, il y a un prestige, il y a un président, il y a plusieurs autres. Pour qui ça, l'autre n'est pas venu? Deux raisons. Première raison, ou pas pouvoir d'achat qui est intéressé. Deuxième raison, vous n'avez pas voulu venir dans le pays côté de la sécurité. Même pas penser, je ne pense pas, c'est comme si c'est un péché et empêcher l'autre pour venir dans le pays. Non. Haïti, son pays, concurrence est très facile. Le problème, c'est que les conditions de vie sont tellement compliquées que personne n'a pas envie d'entrer là-dedans. Donc, ça, c'est la réalité que je vis. Maman, je suis pâtisserie. Pas gen 10 pâtisseries dans Pétionville, gen peut-être 2. Pour qui sont l'autre moun pa ou vin ouvre une troisième pâtisserie, eh bien, parce que son business qui est difficile, parce que faut gen quoi pour investir, parce que, enfin, en pile raison. Donc, c'est ça m'a répondu. Bon, pour l'autre question, monsieur m'a dit pour qui ça m'a pas traité pour m'ton mot utile, pour m'te. Bon, m'pa kwe ma fout di faut vle, faut mourir, non? Ma fout di passer le mot inutile. L'état pito ou mort utile. Donc moi-même, c'est Ozo. Goumé, m'a cassé. Mais intelligent, non combat. Le jour que le système de justice la permet de répondre à toutes questions, je vais venir devant la justice pays. Même pas quitter non plus tout, que nèg fait la dernière sous moi de n'importe quelle manière. Donc tout le monde connaît que son persécution politique par rapport à la position moi. Donc, m'a joué intelligent, mais pour m'être posé, m'a vin. D'ailleurs, m'pata actif comme ça sur yo, m'te ka faire silence, ou même pas décidé faire silence. Donc, nous n'en bataille, nous pas camper. Et voilà, nous n'en bataille, nous pas camper. Les derniers mots de Dimitri Vorb. Et voilà, merci beaucoup Dimitri pour l'intervention. M'a rappelé que vous êtes intervenu sous thématique ça. Le secteur privé des affaires en Haïti, quelles implications pour une intégration sociopolitique plus viable? Et maintenant, je m'a demandé pour encore une fois, public là, un gros bravo
pour Dimitri Vob. Et merci également à Zamio qui t'a posé la question. On a passé à la deuxième intervention. Nous ne prenons pas le temps. Nous allons aller très rapidement et intervenir. Nous avons gagné et en dizaine de minutes pour que vous soyez capable de placer Moyo, dire ça, rien pour vous dire. Bon, peut-être aller au-delà de. Bon, dire entre 10 à 15 minutes. Nous avons gagné et deuxième intervention, troisième intervention qui c'est. Qui pourra le faire par James Francisque qui est dans la salle là et m'a demandé pour Hugues Mondésir venir faire une présentation de tout ça qui va vous parler avec nous tout à l'heure. Un gros applaudissement, mesdames, messieurs. Ok, merci. Comme nous avons été en la boum avec nous, et bat nous. Rapidement, nous avons dit, son on l'honneur pour moi, Hugues Capé Mondésir qui est un responsable organisation. Et l'organisation qui l'a, je dis à tous les dirigeants et personnalités qui l'a dans la salle là, qui ont un rapport positif avec un rapport progressiste avec Voirizoa en matière de technologie. Donc nous comptons, nous là. Mais son l'honneur m'a dit pour me présenter James Francis, qui est secrétaire général de l'organisation, qui est plafond bois en tonnerre, et m'a salué et coordonnateur qui l'a, Jude, pour me présenter James, et c'est James Francis. Et son auteur, donc il est sous trois publications. Donc marcher avec deux ouvrages là, qui c'est Cachache Libé, qui sont romans, et puis Manifeste Créolis, que lui écrit, et de là, il est exposé livre. Donc nous avons fait connaissance avec elle. Donc, rapidement, nous-mêmes, après 12 janvier, nous avons une crise haïtienne qui l'a depuis longtemps. Son crise qui est tellement crise, ils sont crise crisique. Son crise crisique. Avec des crises enragées. Et nous-mêmes dit, est-ce que génie haïtien pas foutu? Dit, tout peuple, un génie, une intelligence qui vous menez, c'est pas foutu. Et bien nous-mêmes, comme nous avons évolué dans le philosophique, nous avons évolué dans l'autre domaine anthropologique, nous créons un concept. Donc c'est avec concept ça, nous faisons ZAM nous montons des organisations Calbas Haïti, nous montons des organisations droits humains. Et James Francis écrit à partir de thèmes là, qui c'est créolisme. Dématérialisme synthétique. Son façon tout pour nous capables de rentrer dans des marches et la longue marche de la grande gauche. Nous connaissons Lénine, nous connaissons Marx, yo même c'est des matérialistes dialectiques. Et là nous gardons, nous oublions que côté l'homme n'a un côté invisible, un côté spirituel. Donc nous même pour nous capables de faire rentrer l'autre troisième élément, ça, nous créer un concept ça. Donc c'est à partir de concept ça, James Francis m'a demandé pour nous commencer à applaudir. Libral développé pour nous là la lutte populaire haïtienne. Nous connaissons une histoire lutte populaire haïtienne dans son combat éco-créoliste. Donc faut nous pragmatiques, nous entrer écologie à la donne dans des Américains. Je vous demande pour applaudir James Francis. Ok, merci. Je salue différents mondes qui sont assemblés. Et rapidement, je vais essayer de présenter l'intervention qui a sur 5 points. D'abord, on a essayé de regarder qui place la question écologie et la question créoliste dans le monde actuel. Là. Et on a essayé de regarder qui est capable de considérer comme dit, démocratie créoliste, surtout à partir d'un ensemble de monde qui travaille sur la question. Hein. Et regarder la dimension marronnage avec cérémonie Bois-Caïman pour nous arriver sur Sandakarele, lutte populaire haïtienne à partir de 1804. Et garder une perspective par rapport à mouvement populaire haïtien. Rapidement, on a dit que il y a un camarade qui écrit un livre qui c'est La structure de la révolution scientifique, Thomas Kuhn, qui dit que société ou bien monde intellectuel là pour que yo essayer comprendre fonctionnement la vie qu'a fait yo, yo vient à un concept yo le paradigme. Paradigme là c'est un modèle d'explication qui est censé expliquer ça qui a passé dans la société. Par exemple, à un certain moment, on a dit que Marxista est un modèle d'explication. Mais il y a une crise de paradigme, une crise de qui concept qui a ramassé tout ça qui a passé dans la société. De là étant, on vient à parler de courant de écologique qui a traversé le monde-là, et même de courant, et nous a dit de courant créoliste, surtout avec Edouard Glissant côté Gampil intellectuel qui rend compte que nous avons une crise de civilisation, Jean-Yves Abdilla, et une meilleure civilisation qui est capable de germer en dans la société ou en dans le monde là, donc c'est peut-être la civilisation créolistique. L'un des civilisations créolistiques, c'est
peut-être on est comme Edouard Guizantek a dit, une philosophie de rencontre. Comment plusieurs cultures, comment plusieurs peuples, comment plusieurs leaders rencontrés pour qu'ils arrivent à jouer une unité fonctionnelle. Donc, c'est dynamique ça qu'a essayé de développer dans le monde pour permettre que nous rentrions dans le monde, jouer un modèle d'explication qui a ramassé le monde. Mais rapidement, on a dit que pendant que tout débat ça a fait autour de deux concepts, ça oubliez que Haïti, depuis 1800, avant même 1804, a fait une proposition à l'humanité. Parce que l'économie coloniale qui a développé à l'époque, là, est arrivée dans fin par rapport à monter, mais comment pour rentrer dans une symbiose, dans une harmonie fonctionnelle avec tout espace social là et espace naturel là pour que lui-même lui fonctionne. De là étant qui pourrait permettre que chaque monde pourrait posséder des pouvoirs. Il y a gagné comme être ontologique, comme monde qui gagne toute une connexion avec tout l'univers pour que lui-même lui fonctionne. De là qu'il va le bailler. Tout un autre mode de démocratie par rapport à la démocratie représentative, particulièrement l'Occident, a fait promotion de lui-même. Non? Donc comment nous sommes capables de vivre dans un autre type de démocratie. Rapidement, pour que nous rentrions dans Sandara, les luttes populaires ici, hein? Et la cérémonie Bois-Caïman a couché l'idée ça. Ouais. Surtout avec Paul Bouquemann qui a dit nous jeter l'idée portrait blanc et coûter liberté. Quelque part, c'est coûter, je dit, vibration qui a traversé comme monde pour que nous construisions à partir de logique naturelle la vie. Et nous faisons 14 ans de lutte et à partir de 1804, deux ans après, nous avons tué des salines qui ont tenté plus ou moins de mettre chez moi à sa campée. Et de là étant, nous choisissons de construire une société qui justement allait dans la logique néocolonisation. Ouais. Côté nous prenons reconfigurer bah, avec question de la France. Et une bagaille qui est fondamentale, il y a des gens qui tapent vivre bagaille là dans une dimension de résistance. On est comme Gouman pour péter Goumen ou quelque part. Pour que lui dit non, il n'est pas d'accord avec ce schéma ça. Et nous parlons de manifeste de Pralin qui sont tombés avec la caille. Qui c'est de mouvement qui engagé. Ouais, Kako Piquet qui pral dit non, il n'y a pas d'accord avec Chima. Mais ça qui pour essayer de comprendre la question, ça, c'est que Sandara, le code rural qui pral construit sous Boyer, justement pour être capable de légitimer un hasard, Pétion est créé. Parce que Pétion choisit pour que les bails ont récipient de grand don. Ou équipe monde. Oui, ça n'a pas peut être les premiers bourgeoisies haïtiennes. C'est un monopole, peut-être Dimitri Tab dit tout à l'heure, qui c'est un contrôle toute question. Hein. Et yo construit, yo fabriqué Sandara, un code rural qui pour empêcher les peuple haïtien ça sorti dans l'esclavage là pour un parce que là pour l'on on est comme Paul Moral qui écrit le paysan haïtien monsieur dit seul ça paysan t'es capable de faire comme activité économique c'est seul pelle caravane yo t'es empêché lui faire toute l'autre activité une raison simple c'est que comme le système n'a pas de pouyo, pas de bon pouyo même. Donc, si vous avez une possibilité, ça n'a pas de pouyo faire de l'autre activité parallèle, c'est sûr que vous n'avez pas l'entrée dans une grande plantation pour enrichir les grands dons. Donc, de là, vous prenez des mesures drastiques pour que les paysans aient une seule activité que travaille dans le champ. Même vagabondage, donc, ça a montré que comment que gagner toute une structuration qui fait de société pour que paysan li pa rentré ou bien moun ki masse esclave là qui était non logique n'a dit démocratie éco-créoliste ça pour que li pa arrivé construire schéma ça bon nous pral on a parlé rapide donc là nous rentré surtout dans période l'occupation américaine qui n'a dit qui font l'autre configuration qui font l'autre configuration de l'économie pour le rebrancher parce que à l'époque nous avons gagné une grande plantation pour albaï matière première dans schéma néocolonial là mais nous rentrons dans schéma impérialiste comment pour que yo converti espace pays comme un espace de marché qui pourra justement permettre que moun particulièrement États-Unis li écoule produit là de là étant eh ben yo vinn pas besoin paysan pour produire encore. Et même Paul Moral, ça, qui sont français, qui est le paysan haïtien, monsieur dit près de 300 à 500 000 paysans quittent l'espace ça pour aller à Cuba. Donc, c'est pour montrer comment gagner tout un matraquage qui a fait. Et ce qui est drôle, c'est que n'y a pas voulu le faire commerce de détail et il n'y a pas permettre que de l'autre groupe monde qui sortit dans l'espace là, qui sortit Syrie, Liban et autres, qui pral intégrer l'économie haïtienne, qui pral commencer à faire des activités, commerce, soit détail, et qui pral venir tourner tout l'autre
On a dit frange de bourgeoisie haïtienne qui pral dit que le pays a été construit sur deux franges. Et malheureusement, il a fait non logique pour que les paysans ne pas arriver à construire la vision du monde. Ils ne pas arriver à imposer l'autre civilisation qui offre à l'humanité. Et de là, mais ça qui vous a dit qui gagnait comme configuration dans le pays. Et depuis 1986, bon, c'est une crise, de gouvernance, une crise côté logique, ça, il ne pas répondre parce que petit paysan à l'école, il commence à remettre en question Barayo, et de là étant, gagner tout, on l'autre proposition qui en vie fait. Mais, bon, bagay tout pour nous dire, moi-même tout à l'école, même avec nous tous qui là, ouais, c'est que des fois, nous prenons piège. Piège là, c'est que le système de socialisation qui construit, ma foutre parler de ça tout, l'orienter nos façons. C'est ça, nous avons l'habitissement comme budget, ou nous avons le conditionnement social. Donc, qui conditionne nous fait que réflexion nous a fait pour nous faire une proposition dans notre société, n'est pas totalement détaché de logique qui a mené la société. C'est logique néocoloniale là, avec ancien bourgeoisie, et logique impérialiste avec. Il a dit deuxième frein bourgeoisie. Et tellement logique à bien accorder. Et c'est ça, on a vivre comme phénomène là. Côté, monsieur a laissé frapper entre eux, et classe moyenne dans lui-même, il rentrait dans la logique. Mais au fait, nous a patiné, mais pas aucune proposition sérieuse qui fait, qui est capable de permettre que nous arrivions à construire société à partir de base qui était construite. Parce que Haïti, c'est que c'est un pays qui, justement, analysé tout, on a dit, fonctionnement mondial là depuis non fin 18e siècle pour entrer dans 19e siècle et fait une proposition. Et justement, c'est là Haïti construit tête li. Et malheureusement, nous pas concerner cette proposition ça. Et alors, il a parlé de manifeste, c'est ça, mais c'est construit, proposé. Donc, comment pour nous ramasser pour proposition ça et pour nous vivre construit tête nous. Et différents monde qui là voir raison, m'invitez nous, ouais. Et bon, m'attendais Dimitri qui a tenté faire de analyse sous propre groupe là, même penser que nous avons une période, nous avons un contexte qui demandait que pour nous-mêmes, comme peut-être classe moyenne, qui a l'école, qui est intellectuel, qui a réfléchi, qui des fois qui dit n'a pas les paroles paysans, pour nous garder, est-ce que ces paroles paysans n'a pas les tout bon fruit. Donc l'autre groupe moun sa autour pour au fond analyse pour garder société haïtienne qui s'est destinée. Ouais, parce que même penser que Haïti c'est un pays qui a pour ton souffle. Et nous avons fait même genre, nous avons pris deux questions rapides pour nous permettre de nous équilibrer vers là. Et nous avons fait ça, et puis nous avons passé avec le premier monde qui était capable de gagner la première question. Ok, nous avons passé dans le bossa, nous avons fait un monde quand même. Moi qui fais dictature dans le mon frère. Très courte et puis encore une fois. Donc ma première monsieur James pour belle intervention ça que se fait. Donc question pas dans lié basé est-ce que dans fly est-ce que bon moi lié c'est un linguiste. Donc question que m'a posé c'est que qui selon même qui proposition que vous êtes capable de faire nous pour résoudre phénomène diglossie qui Haïti a engendré de nos jours là. Merci. Ok, on prend deuxième nom et puis comme ça, James a écrit et puis noté pour répondre après. Si pas gagné, ok, c'est bon, on va avancer. Ok, et bon, c'est une très belle question parce que c'est une bagarre, me parle en pile, question de langue qui est dans la société. Évidemment, je dis, nous n'avons dit glossy parce que nous avons un système éducatif qui fait que nous ne parlons aucune langue. Moi dis, li fait pas parler aucune langue, li fait pas parler ni français, li fait pas parler ni anglais, nous fait setup fait parler en bin, nous fait pas parler ni espagnol qui coupe on est là, li fait pas parler ni créole là. Et des fois mon enfant il fier pour dire pas parler créole ou même pas écrire créole. Pour montrer comment nous non système vraiment penser tête en bas. Mais maintenant même penser que question langue là sont question d'abord politique ou éminemment politique. Parce que c'est le résultat qui va valeur qu'a construit la société. Pas oublier que, après l'indépendance, il y a eu deux groupes de valeurs qui ont mené la société. C'est valeur occidentale, la France, d'un côté, particulièrement, les gens qui prennent le pays comme les mulatios. Mais ils ne sont pas comme les gens qui ont une importance dans la société.
c'est la langue qui dominant, c'est monsieur coutume qui est important, maman yo qui c'est africain yo pas important, ouais. Donc de là, lui envie copier modèle, et ça me parle de modèle néocolonisation. De là étant lui impose une langue. Malheureusement, et ça qui doit, c'est que en premier temps, l'école a tapé fait pour eux-mêmes, ils ont pas de problème parler français parce que c'était tout qu'on parlait français là caillou. Mais en certain moment, l'école a vu démocratiser, ils ont pas même rendu compte que grosse majorité sont majorité créole parle, qui parle créole, mais qu'on a qui a rentré au non schéma pour yo, parce que ça qui est fondamental, ils ont pas parce que ça les langues d'enseignement et enseignement en langue. Si on enseigne français, et puis tout le monde parle français, après ça, il fait tourner en langue d'enseignement, pas un problème. Mais c'est que les gens ne parlent pas de langue et vous apprenez la langue. Vous pouvez faire double exercice. Un, la force à apprendre la langue, en même temps, la apprendre connaissance dans la langue. Et ça qui paraît paradoxal, c'est une troisième dimension, parce que le monde qui a construit, il y a deux dimensions. Il y a une dimension, on a dit, et socio-affectivité, il y a une dimension cognitive. Socio-affectivité, c'est ça me saute la caille moins, ça m'apprécie voir comme humain. Qui nous ont des marches créolo-pales ou totalement coupées pour qu'on mette le long schéma, on a dit, gymnastique l'esprit pour que la paix s'apprenne. Donc ce débat est vraiment tête en bas qu'on fait, même j'aime dire là, pour nous résumer, donc c'est qui choix politique qu'on fait. Et justement, qui retourne la question bataille populaire ici, hein, parce que. Lutte populaire ici, il gagne une vision. Et justement, en dans vision ça, il suppose fait que c'est créole qui parle, n'est-ce pas ça? Pendant n'a pas prendre monde parler français, peut-être réalité non coloniale historique nous. Là pas bon nous parler espagnol parce que toute vie on est là c'est espagnol nous gagne. Là pas bon nous parler peut-être français tout qui c'est peut-être langue dominante et là pas bon nous parler langue fond. Langue fond parce que nous-mêmes des fois, nous comme Européens, nous ne reconnaissons pas que nous oublions si nous sortons en Afrique. Et langue foi permet non seulement de comprendre que là, mais comprendre la réalité. Tout. Une bonne parole nous dit c'est diable. Mais c'est vaudouisant. Tu as la ma foudre de secrétaire, même c'est vaudouisant. Mais là, je dis vaudouisant, mon père. Parce que pour eux-mêmes, une bonne bagaille qui c'est diable. Mais qui pas diable, vrai? Mais c'est construction sociale. Nous, Jean Oufen Weba, là, nous dit c'est diable. Donc, c'est pour moi, je pense que c'est tout un autre projet de société qui va résoudre le problème. Non. Mais ce n'est pas dans un modèle de société ça n'a pas résoudre le problème. Non. Qui sont problèmes pour moi qui empêchent que nous développions ça nous comme monde. Ok, merci. Bravo encore une fois à James Francis pour si belle intervention que tout fait là. La bâton, gros bravo pour vous. Merci, merci beaucoup Francis. Et là, nous allons parler très rapidement, côté nous parler intervention Dier Gayo, qui lui-même qui passé des présentations, intervention par la fête online, ou bien en tout cas à travers les réseaux sociaux. J'en nous parler là, nous allons assister avec ça en direct. Mais c'est et coach Bebens qui va le présenter. On a demandé pour coach avancer et on a demandé pour technicien, mettez en bien prêt pour nous connaître. Ah, coach a été là. Dia Gayo, c'est un ami que nous rencontrons online à travers stratégie de targeting, nos reconnaissances. Mais il y a une parole Dia parle, il y a une parole là écrit. Et parole ça nous trouver fort plus monde tendez li. Parce que qui ça te passe? En pile fois le que en pile mon a dit yon bagay li répéter ou qu'on vinn quoi que li vrai. Donc dans domaine les États-Unis gen deux tendances, deux extrêmes. Gen moun ki wè c'est un job à combattre. Gen l'autre qualité moun yo tout simplement comporté en tant que sousou, tout ça blandi, c'est ça. Donc c'est deux tendances à éviter. Et gen moun nan rapport yo k'ap fè moun comprendre yon tendance que y'a dit que c'est lui-même qui vrai. D'ailleurs ça s'est illustré là très bien. Mafoud Zaminou qui fait une brillante intervention, mais étant là ba yon exemple et puis il dit ou que et yon président qui était alcoolique, il fait référence à René Préval. D'ailleurs, qui passe ça. Donc, mais vite au monde, ou à l'innovelis, il y a un article qui relève les inexactitudes sur René Préval. Ou après toute une série de bagailles que y a dit, qui n'est pas vrai.
Donc, intervention correcte, intervention bon, mais on fait que l'y évoqué que mon abdi qui passe à, qui c'est une inexactitude. Donc, ces mêmes gens, Diagayo, gain question, ça mon abdi de Américain, non sens qui passe à, et non l'autre sens qui passe à. Donc, Dia, le fait que monsieur exprime sous question ça, li montre qui forme de coopération Haïti te kon gagne avec les États-Unis qui pas bon, et mais qui forme li doit adapter qui bon, nous te trouvé ça si on parole pour plus moun tande. Donc, mesdames, messieurs, Dia Gayo, ancien nominé pour le Parti démocrate en Floride, on est qui gagne un bon influence dans le domaine congrès les États-Unis. Dia Gayo. Bon, mesdames et messieurs, bonsoir. Et je suis très content de vous là. Et je vous remercie tout le monde qui fait event ça, qui prend me et coach. Et merci encore, merci en pile. Nous ne nous pas gagner en pile cas, donc on va commencer à parler de ça directement, immédiatement. Gagner en pile chose, les États-Unis font à propos d'Haïti qui n'est pas bon. Ou qu'à aller de cochon que tu es tué, à faire du riz, pistache, tout bas ça. Mais, gon ingérence les États-Unis toujours continue faire dans le pays hein, parce que les bail pays en aide. Donc ça me va parler avec nous là son façon que vision pas moi ça moi ouais dans 10 ans Haïti a réduit aide recevoir des États-Unis par 60 à 80%. L'aide ça réduit donc c'est va baisser influence les États-Unis aussi. OK, les États-Unis a toujours protégé tête. Moi, je suis américain, mais même quand je dis en Haïti, par exemple, haïtien. Donc, félicite-moi, même moi, de Saint-Jean-l'Évangéliste de Canada, ensuite, je suis changé, qui se crée à Christian School de Delma, et puis, je fais l'université, moi, aux États-Unis, et puis, depuis là, aux États-Unis. Ouais. Bon, comment les États-Unis ont aidé Haïti à avancer? Premier bagage pour les États-Unis, step up, c'est problème d'électricité. Hein. Dimitri Vob, en plus nous parler d'une série de compagnies et qui fait mais qui fait énergie, mais c'est pas une base centrale dans le pays. Pays ont besoin de base centrale. On peut pas qu'à avancer s'il pas qu'à bail peuple en courant. Faut bail peuple en courant. Ça c'est le premier bagage que les États-Unis ont aidé vraiment. Et courant, mettez dans toute île en net. Deuxièmement, c'est à fait de l'eau potable. Il y a un pile, côté en dehors, pas de l'eau. Il y a une factory qui fait de l'eau, ou pas besoin d'acheter une bouteille. Ou qu'à, chaque monde faut, ou qu'à ouvrir tu es là, ou qu'à boire de l'eau, pour de l'eau à bon, pour pas de bon maladie. C'est ça, pour pousser, ça, pour avancer. Son bagage est très, très important. Non, deux prochaines points, je vais parler de eux, et, c'est à propos de problème gasoline dans le pays. Gros problème de gaz, gasoline cher en pile, mais le gouvernement haïtien pour le moment a supporté le prix gasoline. Prix au vendre gasoline en Haïti, ils payent plus pour faire gaz entrer, ils vendent gaz plus bas. Donc toujours un déficit. Gros problème tout grand pile monde et ils payent fiche gaz. En plus, le monde qui a parlé a dit ça son problème. Faut éliminer bagay ça. Faut éliminer monde, faut monde payer comme pour acheter gaz. Mais, c'est facile de boucher dans la rue, dire à quoi pour acheter gaz, mais il y a un problème de travail aussi. Les petits mouns Haïti, c'est une série de factory qui étaient en Haïti, qui étaient fait tout uniforme baseball. Tout bat, glove, et uniforme, tout ça c'est fait. Kou li ala tout compagnie sa yo nan ki mette yo se juste en Indonésie. Ya employé presque 700 000 moun nan Indonésie ka travay Haïti te gen job sa yo. Sa son exemple ma banou de job ki ka tourne en Haïti. Gasoline. Comment résoudre problème gasoline pays? Gon
exigence que Haïti rentre plus produit que les vendre. Faut États-Unis step up pour permettre Haïti vendre produits liés à la caille. Du riz, avocat, café, canne à sucre. Tout bagage ça, Haïti ka produire, Haïti ka vendre. Nous pas besoin, Haïti pas besoin du riz des États-Unis, ou pas besoin du riz américain. Pour pas que produit, faut Haïti produit la caille lui-même quand même. C'est ça qui va créer de travail. Canne à sucre, son bagage très important. Canne à sucre avec maïs. Bon type de gazoline. Toute machine qui vient coulier, y'a le flex fuel. Y'a qu'à servir à gazoline avec un gaz qui est le E85, E85. E85, son gazoline à base de éthanol lié. Y'a fait ça avec maïs, avec fatra, avec éthanol, avec canne à sucre. Haïti, bon position là, l'ICA produit E85 lui-même pour éliminer l'utilisation de gasoline que le gain. Un pays qui fait ça, c'est le Brésil. Le Brésil servit avec E85, pratiquement toute machine. N'importe machine qui, ou qu'on a, sous qu'on a un monde qui a une machine sur les États-Unis, là, c'est lui, gardez-le. C'est que ça qui marque flex fuel. Ça flex fuel, là, c'est lui, pas besoin de gasoline pour marcher. C'est avec gaz, base, éthanol, là, E85, dans le donc, c'est comme ça pour les États-Unis aider Haïti. Et l'Haïti a produit E85 lui-même. Il n'y a pas besoin de toute aide, ça. En pile, aide qui sortit des États-Unis, c'est pour le gasoline, là. Ensuite, tout ça, yo, bon, mais plus gros problème, d'après moi, Haïti gagne, c'est l'éducation. Pas qu'à payer pour l'éducation. Faut l'État haïtien, faut l'État américain, l'État français, ils ont mis des têtes ensemble pour faire l'éducation gratis pour tout le monde. Gratis. À faire payer pour aller à l'école là, c'est pas bon. C'est pas bon. Si on monde, ou en France, ou aux États-Unis, on pas payer pour aller à l'école. Si vous voulez payer ou même pour aller à l'école privée, ça c'est à faire pas. Mais, pas bien l'école publique qui gratis pour le monde. Bon problème là, conseiller de monde qui travaille pour l'État, depuis 2 ans, depuis 3 ans, il n'y a pas touché. Comment ça, il faut payer, il n'y a pas qu'à, ou pas qu'à, il n'y a pas de travail chaque jour, il n'y a pas payé, c'est pas possible, non? Après, il n'y a pas de Haïti qui a un problème, Haïti qui a une corruption. Bien le loi anti-corruption pour l'État haïtien commencer pour le faire, pour changer les bagailles. Mais, faut l'éducation vienne gratis. Et, ça me dit là, grand pile monde peut-être qui n'est pas d'accord avec moi, je me saute parler à ça un peu. À un moment donné, l'aime de l'école, l'aime de Saint-Jean-l'Évangéliste, toute éducation, moi, c'était en français. Toutes mes études primaires ont été en français complètement. À un moment donné, ça a changé de faire l'intérieur. Je suis pas d'accord pour qui ça m'a d'accord parce que je m'a dit pour Haïti abandonner le créole, mais c'est celle qui nous parle de ça. Faut que nous apprenions français, anglais et espagnol. Faut l'État américain avec le gouvernement français bayon boost pour tout le monde qui gradue, qui fait filo, qui passe baccalauréat, pour y aller faire études en France, y aller faire études aux États-Unis, à condition que l'université soit gratis, mais pour moun yo tourner en Haïti pour ouvrir un business, pour venir travailler, pour faire secteur privé à avancer. C'est un mal qui est très important. Affaire éducation, ça c'est un gros gros problème lié. Gasoline, l'eau, électricité. Il y a plusieurs autres bagages. On va parler là pendant une heure sans arrêter. Mais c'est ce bail ça qui est plus important. C'est là
Américains qui aident les Haïtiens, qui aident les pays à avancer. Donc, pile de bagaille, les États-Unis font qui n'est pas bon. Donc, pile de décision que vous avez prise au passé qui n'est pas bon. Mais, pour le moment, j'ai bien confiance à gouvernement président Biden. Je parle en plus de monde dans le Congrès, je parle en plus de monde dans le gouvernement, j'ai bien confiance que les bagailles vont changer. Il n'y a pas de fouet bouché. Ça fait un changement. Normalement, les États-Unis remettent fouet bouché dans les bagailles en pile. Mais, comme on dit avec le président Biden, il y a confiance à changer. Et, là, je vais faire 25 minutes là, mais je vais répondre à la question que nous gagnons pour le moment. Merci en pile pour l'intervention là. C'est encore une fois nous très édifiés par rapport avec ça où se présentez nous par rapport en termes de relations Haïti et États-Unis, relations qui t'a dû exister entre eux et bénéfices, en tout cas rapport de coopération qui t'a dû exister entre eux et bénéfices ça a porté pour Haïti particulièrement. Si tu as gagné une question dans le public là et nous cap poser une ou deux questions et puis comme ça nous capable édifier dans l'autre point et que intervenant soit abordé pour nous. Voilà, et visiblement, le public l'a édifié. Bon, moi-même, cap peut-être faciliter la tâche pour répondre avec une petite question très simple. Je dis, okay. Si vous avez conseillé l'administration en place là, vous avez conseillé, dès qu'a dit, le monde qui a fait relation, ou bien qui a fait relation entre Haïti et États-Unis, marche je dis, qui conseil vous avez fait aujourd'hui de manière concrète pour que la relation s'attaque encore plus profitable avec Haïti? Bon, le premier bagage que les États-Unis et suspend faire conseil de déportation de Haïtiens y a fait et pour déportation ça y est terminé. Faut une façon pour permettre aux Haïtiens de voyager aux États-Unis plus facile pour aller faire business. Vous comprenez si mon n'a prouvé que il besoin faire business, il peut lâcher des choses. Pour retourner une vente, il faut permettre ça rentrer. Quand on fait de show ou un business à Haïti, ou pas qu'à ouvrir un compte en banque aux États-Unis, il est très difficile pour vous. Ou pas qu'à accepter carte de crédit. Le monde entier a marché sur carte de crédit, sur Internet, surtout avec le problème coronavirus qui est là, qui est derrière là. En plus, le monde, il a acheté, il a allé sur Internet, il a sur le téléphone, il a acheté la gare et puis il a venu déposer la gare pour vous. Ou pas qu'à payer à cash comme ça. Donc, problème ça. Et relation bancaire inter entre les États-Unis et Haïti, ça pour améliorer ça. Mais le conseil, le premier bagage que fait, c'est continuer à suspendre les déportations haïtiennes. Il n'y a pas de bon du tout. Et moi-même, son monde, moi, ma vérité, quelle que soit la position, je suis toujours ma vérité. Qu'on d'accord, qu'on pas d'accord, mais je toujours parlé ça me passer. Voilà, merci en pile pour l'intervention là et vraiment nous édifier par rapport avec éléments que vous avancez en termes de rapport de coopération qui a dû exister entre Haïti et les États-Unis. Merci encore une fois, nous pourrons le passer avec nos intervenants et nous pourrons le présenter tout de suite dernière intervention hein, qui pourra le faire par Benson Laguerre Kadif, qui est très connu et qui pourra le, enfin pour le monde qui ne connaît pas Lio, alors qui est connu dans certains milieux et pour l'autre monde qui ne connaît pas Lio, n'a pas joindre en présentation, en meilleure présentation avec le coach Bebens. Benson Kadif. Kadif, c'est un ami. Kadif, c'est un modèle. Dans le sens pas. Modèle, un monde qui n'est pas arrivé trop longtemps aux États-Unis et puis qui est en percé, marché financier, non-sens.
aux États-Unis, nous avons trouvé expérience li était important pour nous dans voir réseau, mais surtout pour les amis diaspora. Parce que de quoi il en est? En pile fois, le haïtien li parti, les li rivé États-Unis ou l'autre pays, le plus souvent li adapté li à ça que premier monde qui était là avant là t'a fait. C'est ça que fait ou a trouvé haïtien occupé en série de petits métiers, coiffeur, taxi, petit grand monde, c'est plus ça là il fait puisque c'est là frais qui était avant l'entier, donc c'est là que l'aller. Et l'arrivé dans ça ou pas jamais représenter un poids dans pays hein. Italien en partie, les plus centrés dans force de police aux États-Unis, ils sont poids parce que la police pas en grève, yo pas quitter la police en grève. Donc yo obligé revendication yo permettre li yo accorder li entré dans pompier, juif là entré dans marché financier. Li son poids dans pays hein. Haïtien entré dans ti métier yo. Donc li pas représenté rien. Donc li était important pour nous te montrer comment ou quand entrer dans l'autre niveau ou même zanmi diaspora qui États-Unis pour aborder un autre domaine qui c'est trading market. Donc Belson Kadif qui même dans une académie qui pral faire des cours pour zanmi nous diaspora qui nan voie réseau m'te trouvé parole la parler formation que la bail li important, il faut plus moun tande causer ça. Belson Kadif. Et puis, merci en tout cas pour ce que ça fait. Et moi, je ne vais pas faire un petit peu de Après, tout intervenant qui était venu avant, nous avons dit merci parce que vous partagez en pile connaissances que nous ne connaissons pas ou bien nous te connaissons, mais nous prenons, nous astiquons, nous puis bien assimilons, nous avons Mahfoud, nous avons Dimitri Vorb, nous avons James Francis, et puis nous avons Gérard Gaillot qui fait que ce soit parlé là. Donc, très rapidement, ma présence était moi, son produit de pays d'Haïti. Ça veut dire que c'est un bafé bon ici et un bafé bon ici à trop longtemps. Moi, j'ai une licence en sciences du langage, c'est la faculté de linguistique appliquée que m'étudier. Et l'homme vient voir ici, moi, initié moi dans le trading. Et puis, actuellement, un étudiant en développement et analyse de logiciels. Donc, nous pourrons gagner pour nous joindre France Daudi-Pierre qui va parler nous de trading market, il va faire une introduction, il va nous expliquer nous qui ça qui trading market là. Après, nous parlons moi-même qui va essayer de mettre trading market là dans le contexte socio-économique haïtien qui vivre ici à, aux États-Unis, haïtien qui est en Haïti et haïtien qui est dans l'autre pays. Hein? Et au final, nous avons gagné Elie Delus qui va parler nous d'une plateforme que nous mettons sous pied qui vient faire que nous gagnons publishing company, côté que nous faisons des analyses sous market là, nous quittons de ce market là gagner, nous aider ou même qui sont entrepreneurs qui baguent pour faire analyse ça, pour faire plus cob, et ou même tout qui se petit Joël qui pas sorti dans une famille, qui sorti dans une famille qui défavorisée, qui sorti dans la masse défavorisée, mais nous connaissons intelligents, nous sommes capables de analyser ça tout, nous sommes capables de faire cob et la voie changer. Donc, merci. Nous allons passer la parole à France Daudi-Pierre. Merci, Kadif, pour une belle présentation. Ça. Et merci à tout le panel qui était là pour partager quelques connaissances avec nous. Et moi, je dis merci à tout le monde là, qui est présent en grande qualité d'activité. Ça. Et tant que Kadif, je vous dis tout à l'heure, moi, c'est France Daudi-Pierre. Moi, c'est un ancien étudiant en. Et là, à côté que j'ai étudié en plastique avant que je me déplace et rentre aux États-Unis. Et depuis que je suis rentré aux États-Unis, je me consacre totalement à trading. Je dis consacré, c'est parce que depuis avant que je me déplace, j'ai une brève notion de trading. Donc,
Les rentrer, les rentrer aux États-Unis, moi la game totalement moi bien là. Donc pour pas pour pas faire pour pas parler trop, bon dis-nous qui ça qui trading là? Qui ça lié exactement? Donc trading là, nous capable dire si on concept de base dans l'économie et côté que qui est impliqué achat, vente, côté que nous capable et gagne un montant qui versé entre un acheteur et un vendeur. Donc nous capable dit c'est pas un concept qui nouveau. C'est pas un concept qui nouveau et c'est pas une pratique qui nouveau non plus parce que depuis nous est trading, nous est trade. Depuis nous est trade, nous est échange, nous est commerce, tout ça. Et selon histoire, histoire ba nous que auparavant nous t'ai commencé comme ça. Moi besoin en bagaille, c'est au niveau qui gagne li et c'est au niveau besoin bagaille. Alors, nous fait échange là. Cause c'est moi qui gagne ça, c'est au niveau besoin. Pour juste à ce que prix et nous avons dit monnaie vient exister, nous venons arriver à mettre prix sous produit. Comme ça, si marché commence à exister, on dit par exemple marché pétrole là, on dit par exemple marché huile là, marché l'eau et la trier. Donc, tout marché ça qui a existé, qui existe ça, il y a des sessions côté que, qui a ou jouen marché ça ou dans session ça. Côté que, il y a des sessions à Londres là, il y a des sessions à New York là, il y a des sessions à Tokyo là, il y a des sessions à New York, il y a en pile qualité de session. Et session ça, que je cite là, et que l'autre m'a cité autour, il y a un gros marché qui c'est Forex Market qui contrôle, côté que, il y a tout entré en bas gros marché ça. Forex Market, nous sommes capables de dire, comme abréviation, on a souvent joint FX ou bien FRX qui c'est foreign exchange côté que nous capable dit littéralement c'est échange étranger côté que on capable juste avant que on bon définition on capable juste bon petite explication côté comment moun participer en prend exemple côté que moi même avant que m'a déplacé à Haïti gen kek ko param te ko te kon ap li changer de goud à dollar. Donc pour nan pays que m'a vini pour visiter ya. Donc manuellement moi participer nan forex market là parce que forex market là li déterminer tout li déterminer tout taux d'échange que monnaie de visio. Donc manuellement on moun participer nan forex market là ça que par en compte. On par exemple sur Nive dans les Malpasses, Libal Saint-Domingue, il converti Coblan par exemple il dit 744 dollars haïtiens, il a converti 744 dollars haïtiens en peso. Il converti 744 dollars ça en peso, il participe dans Forex Market dans Forex Market là manuellement c'est qu'il pas en compte et avec technologie qui a pas avancé Forex Market vient du genre comme si là, ou pas obligé de participer manuellement, uniquement dans le marché, dans le gros coquin chez le marché, ça, ou capable de participer avec un avec téléphone ou smartphone ou tout coup, des compagnies qui te sont dit à l'heure, côté que. Téléphone, yo, gapi moun, ma konne si, toujours connecté. Ou qu'a fait des investissements dans le marché ça et ce marché que on dit qui c'est le plus gros marché qui existe dans le monde le plus gros marché ça fait ça m'a mis chiffre sur ça que me dit le plus gros marché marché London que m'ta dit moi m'était sur site tout à l'heure marché London ça il génère environ de 7 billions de dollars par jour et marché Tokyo m'était dit tout à l'heure il génère environ 8 billions de dollars par jour. Et marché New York là, ça c'est nous capable dit c'est un gros il utile il génère environ de
22 billions de dollars par jour. Et Forex Market a lui-même pour lui, c'est 5 trillions. Et pas billion, pas ni million, ni billion. C'est trillion à parler. C'est 5 trillions de dollars par jour. C'est ça qui fait que c'est le plus gros marché qui existe dans le monde. Là. Qui raison qui implique dans le plus gros investisseur qui voit que, wow, j'ai marché ça, yo une carrière, yo ka mené en carrière qui très lucratif dans marché ça. Marché ça côté que ou a jeune comme bagay qui participe, ou a jeune stock, ou a jeune gros entreprise, ou a jeune banque yo, côté ou ka investi dans banque, ou ka investi dans gros entreprise yo, ou a jeune monnaie, ou a jeune devise tant que là, ou on dit par exemple dollar américain gain métal, lundi métal, tant que là, on pas obligé de déplacer pour aller acheter métal, pour investir dans l'or ou bien argent. On dit avec téléphone ou investir online dans Forex Market, là, on fait des investissements dans l'or, dans argent et la trier. Gain qui cryptocurrency que nous connaissons, par exemple, tant que Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, que nous connaissons, nous attendons parler de l'eau. Ou ka investi nan bagaj, nan kozye sa ou tout. Apre, gen ban lot, tak ou index yo, SPX, US 30, tout sa. Donc, se yon mache ki tre vaste. Par exemple, nou ka boket, nou ka banou ket gran investisseur. Gen Jorzou, ma poman sa Jorzou. Se yon moun, se yon investisseur ongwa, non jou, il te fait 13 milliards de dollars dans le marché à Londres. 13 milliards de dollars. Après, investisseur, ça, on considère comme plus grand investisseur, plus grand trader qui existait de tous les temps. Après, nous gagnons Warren Buffett, que nous n'avons pas dit, Warren Buffett, que nous tous connaissons. Donc, c'est une dans gros coquin chaîne investisseur dans le marché, ça. Et puis, il y a Pierre-France Doudi. Franz Doudibia, qui c'est moi-même, et bon, qui a investi depuis longtemps, depuis des années et jusqu'à maintenant, que nos jours, il te fait 123 dollars. En fait, ça fait moi dire nous ça, il te fait 123 dollars, non, à 40 côté que nous avons commencé à 500 dollars. Ça fait moi ban nous petit exemple ça. Ça a été quelques années de cela que nous avons fait profit. Ça a été premier profil. Et dans Forex Market, et mon tout screenshot profit ça, parce que on dit li marqué moi, on dit n'importe qui côté d'arrivé m'a toujours allé premier profit ça. Ça fait moi battre, partager l'expérience ça. C'est pour nous pas sentir ces monde qui gagne gogo l'argent qui t'a investi dans marché ça. C'est pour ne pas sentir, oh, faut me donner un million, faut me donner un milliard, meilleur artiste qui investit, c'est combien 1000 dollars dans Dogecoin. Mick Mel, un artiste. Donc, on pas obligé. Donc, depuis où il y a connaissance, là, et puis, ou avec moyen, fait moyen que vous êtes capable de gagner, vous êtes capable d'investir et vous êtes capable de multiplier. Parce que ce n'est pas. Et par quantité comme là qui peut faire comme c'est connaissance qu'on gagne hein, et puis on va multiplier connaissance ça. Alors merci en pile pour intervention hein. Par contre si c'est image là qui figé ou bien si intervention finie là. De toute façon, et nous édifier et nous satisfait de performance et équipe là par rapport avec exemple explication que la baille pour montrer qui gens on monde qui fait l'argent en tout cas qui gens et possibilité pour faire l'argent à partir de réseau Europe marché et merci encore pour l'intervention. Merci à tout le monde qui t'a fait déplacement, merci à monde qui t'a suivi nous depuis à partir des réseaux sociaux, à partir des plateformes que ce soit sous Fernando Live ou que ce soit et sous Voix Réseau Yo, sous toute plateforme partenaire. Et merci encore pour le monde qui a quel que soit côté où il t'a regardé nous et qui t'a voulu pour te coup de main par eux ou capable de visiter
et page Voix Réseau yo, ou capable aller sur Facebook, ou capable aller sur Twitter, ou joindre nous, ou capable aussi aller et sur Telegram, il y a un groupe qui là, ou il y a accueilli dans groupe là et ou a des possibilités pour que ou bien on vienne membre, il y a contacté pour ça. De toute façon, Voix Réseau ouvert avec tout le monde qui t'a aimé venir porter contribution pour avancer. Merci encore d'avoir au public vraiment d'avoir fait le déplacement. Merci, c'est un plaisir. On avait invité Mambio pour nous monter invité pour que tout Mambio, tout reste Mambio Arizo et monter public là tout. Si nous voulons faire photo, venez, venez regarder, nous avons fait la Ronia et venez ensemble. bah, ça fait courir. Et encore une fois, le son, ces mêmes messages là. Toujours utiliser les réseaux sociaux yo bien, essayer d'utiliser outils numériques yo à bon escient pour nous vendre une meilleure image d'Haïti. Merci encore, merci encore, merci encore. Et messieurs, dames, on garde le sourire. Regardez, n'a pas fait. Voilà, voilà, voilà. Ouais.